bienvenue sur le rendez-vous journalier d'AltisLifeFrance.com, le colonel Dédé alias Dédé. Voilà, prends son service pour faire une patrouille, banaliser et Syrah comme d'habitude. Voilà, bienvenue à tous, merci de vos follow de cet après-midi, merci de vos messages privés qui font extrêmement plaisir, chaud au cœur, malgré les difficultés de programme, l'ambiance de mentalité, enfin bref, de tout ça. Bonne et heureuse nouvelle. Ça y est. Tiens, check les croquets. Ça y est. J'ai une surprise pour vous. C'était pas prévu. Mais on y est. Voilà. Elle est arrivée. La carte d'acquisition est arrivée. On va pouvoir stream les consoles PS4, Xbox, Switch, ça y est, elle est installée. Tout est prêt, mes gars. C'est grâce à vous, chère communauté. C'est grâce à vous que j'ai pu acheter ça, grâce à vos dons, grâce à vos abonnements, grâce à votre soutien quotidien de tous les jours. La surprise est arrivée. J'ai commandé la carte d'acquisition Elgato. Donc, je vais commencer à live sur un panel multiplateforme. Ce sera une chaîne communautaire multiplateforme, PC, console, du FIFA, du Battlefield, du Call of, voilà, du Red Dead. Enfin, ça va être un padel assez large console et toujours sur les nouveautés et toujours aussi sur PC. Voilà. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires ou en MP de me faire des propositions sur Discord de ce que vous voulez, souhaitez que je vous live, que je vous présente, que je fais des gameplays, des démonstrations et tout ça. Voilà. N'hésitez surtout pas. Pour les autres, n'hésitez pas à follow, point d'exclamation Discord pour nous rejoindre, pour avoir les notifications, discuter entre nous et me proposer pas mal de choses qui vous feraient plaisir. Bonne soirée à vous, bon live, faites vibrer le chat comme d'habitude, partagez un max, merci à vous et bon live. Allez, c'est parti. Je passe pas que je pas de berne complètement, tu vois. Putain, t'es pas mort toi? Ah oui, mais bon, allez. C'est débile qu'il est ouvert. Ah oui. Oh! Hey! Attends, hey. Je suis chauffé. Bah, je vais voir la grille, moi. Erwan de DD, t'es là? Bah, je vais voir la grille, s'il te plaît. Bah, y'en a un truc qui l'a fermé. Bonjour. Salut. Toujours bon pour. Bah, je sais, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur là. Oh putain, t'es chiant. Ah, je vais y aller après la tempête de mine. J'ai rendez-vous. Ouais, c'est là, franchement. Ouais, c'est pas ça encore. Voilà. Franchement, là. Les gars, c'est pas sérieux. Hein? Vous êtes pas d'accord avec moi? Ouais, les blondes, c'est bon. C'est vraiment pas un truc. Avec toi, tu peux me dire tu, hein? Avec vous. C'est pas parce que je suis colonel que. Il s'agit de dénigrer les femmes, il est là. Être colonel? Je sais pas. Oh non, je suis pas connu, je suis à Bagadi. Ouais, je me dis. Dans le recrue, c'est les CPA, ça? Ouais. Ok. Je suis Bagadi, je suis rentré dans la police la semaine dernière. Okay. Salut Seb, salut Fares, salut tout le monde, bonjour, bonjour Gazmer, bonjour à tous, merci d'être présent, ça fait plaisir. Salut Jason, ça va quoi? Aspect, mon adjudant. Salut Jason. Salut, merci. T'as, il a pas la grosse tête, le mec. Ah non, mais depuis qu'il a dedans, ça y est, le mec, il répond même plus aux gens. Ouais, ouais, même au colonel, il répond plus. Même au colonel, il parle plus. Virez-le! Ah, moi, j'ai failli mourir à cause de Vicos, hein, mais... Hop, c'est bon. Il y a un sniper là-dedans? Absolument. Attends, j'ai encore des balles sur moi, là. Tu peux avoir les clés s'il te plaît? Tu les as. Ah d'accord, excuse-moi. Ah, normalement. J'ai à manger, j'ai à boire, j'ai du Red Bull, j'ai une trousse, j'ai ma barbe. J'ai des pare-balles. T'as demandé à avoir des voitures avec un plus gros coffre, hein, parce que putain. Ouais, ouais. Ah, salut Monster, ça fait plaisir de te revoir. T'étais là absent pendant 2-3 jours, ça nous a manqué. Ça va et toi, comment tu vas ce soir? Merci d'être présent, merci tout le monde. T'as changé de fond vert ou pas? Alors oui, j'ai commandé mon fond vert et je le reçois mercredi également.
J'ai dépensé en tout 350 euros. Voilà, je vous le dis. J'ai dépensé 350 euros dans le fond vert dépliable à grandeur échelle nature. J'ai acheté la carte d'acquisition pour streamer de la console PS4. Donc voilà, au niveau matos, on est plutôt pas mal. C'est grâce à vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est grâce à vos dons, à votre soutien quotidien, journalier, depuis le début. Voilà, sans vous, ça n'existerait pas. Sans vous, ce serait pas possible. On est là, je commence à être super bien équipé. Vous allez voir, je vais refaire une petite vidéo de mon matos. Salut Zach, bienvenue, merci d'être là. Salut Red, merci d'être là. Donc voilà, et franchement, merci à tous. Vous allez voir, demain matin, je vous fais une petite vidéo de ma config, pour ceux qui n'ont pas vu. Demain matin, 11h, je précise. Et je vais vous montrer tout sauf le nouveau fond vert, parce que j'aurai que mercredi prochain. Bon, en gros, voilà. Tous. Ah bah super, félicitations Monster, je suis content pour toi. Tu mens, c'est grâce à ta paye de ministre de la gendarmerie. Oui, on va dire ça comme ça. Mais ça faut pas le dire ça. À moins d'avoir deux officiers, enfin deux états-majors dans la même escouade. Donc voilà. Puis je me suis permis, ça, je prends beaucoup de temps, c'est le temps que je prends, que je passe pas avec ma famille, donc forcément, voilà. Ça crée des tensions des fois. Hein. Mais c'est voilà. Essentiel, c'est qu'on soit prêt. Bah, pour faire du live, pour faire du stream, pour faire quelque chose de bien. Et sinon, bah voilà, c'est pas mal. Alors, pour les taxes, c'est ça ? C'est ça. C'est 10% qu'ils nous doivent là. Ah, alors j'ai pas dit ok, non, non. Hein ? Oula. Comme je disais hier, j'ai du temps en ce moment. J'aimerais bien aller. Ouais, on a un petit souci là, on a plus de pneus. Ah, oh merde. J'ai encore mon arme là. J'avais rien vu. Hop là. Oh, j'ai rien vu. Hop là. Tant qu'il n'y a pas les flics, moi ça me va. Oui, on aimerait bien devenir comme vous un jour. Donc, si vous avez un parquet, ça serait cool. Ah, vous aussi, vous êtes des méchants. Pourquoi méchants? Ah, des gens contre eux. Mais c'est pourquoi vous avez quoi à reprocher au gouvernement? Ah, rien de spécial, moi le gouvernement me dérange pas, mais bon. Bah, pourquoi tu veux braquer des civils? Ah, tu veux de la thune? Tu veux de la thune? Ouais, je suis plus dans le go fast, on va dire. Ah, ouais, ah, c'est en SD? Ouais. Bah, j'ai du point, donc là on attend la licence avec le diamant et on va faire ça. Hein. Bah, ouais, on a tous commencé par les pêches, après par le diamant. Et après on achète une licence, après on achète une arme, après on a faim de SD, après on veut faire du trafic de drogue, et après on est obligé de se défendre, après les policiers arrivent et on les tue. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà. Bah restez dans le légal, c'est mieux les gars. A new follower. Salut Lozo, merci pour le follow, merci Loza, Laza, je sais plus. Laza Bolognaise, Laza Boom, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu les la plus de haut. Merci Laza de ton follow, faites comme lui, followez les gars, n'hésitez pas. Merci, bienvenue dans la communauté. Je t'invite également à venir sur Discord pour les notifications en direct de mes lives et de mes vidéos mises en ligne, mais aussi de créer des escouades sur d'autres jeux que je propose sur mes lives. Merci à toi. John, ouais. John, tu es moche de la part de Merguez. D'accord, bah dis à Merguez que lui, je le mets au feu et ensuite de ça, je le graille. Voilà, on a eu temps entendu. Ah bah oui, c'est vrai. Alors, bah oui. Merguez. Alors, le directeur général me dit qu'il devrait être présent. J'aime pas le mot devrait, moi j'aime bien le doit être ouais, présent. C'est pour ça que je vais lui renvoyer un petit message. Êtes-vous présent maintenant? Moi si je viens, je veux être sûr d'avoir mon pognon. Parce que si je viens et que j'ai pas mon pognon... Bah, je vais commencer à taper du poing sur la table. Surtout avec le ministre qui doit leur mettre les amendes là, à l'LCO. D'ailleurs il est pas là le ministre... Qu'est-ce que... Il y a deux quoi qui étaient en train de se faire du karting là. Je ne veux même pas savoir.
Ouais, donc c'est pour ça qu'en fait la webcam est un peu mal positionnée. Parce que je n'ai. Ouais, voilà. Bah voilà, ouais, tu vois, je suis coupé là. Donc là, avec le futur rideau, je pourrais m'étendre. C'est pas mal. Avec le quoi ? Avec, j'ai commandé un nouveau fond vert. Ah, ah oui, d'accord, enfin. Ouais, ça va. On ne pourra plus le faire tomber. Non, il ne tombera plus celui-là. Il tiendra plus avec des passages. Aïe, aïe, aïe. Salut magicien, merci d'être là. Comment tu vas, mon petit magicien ? Merci beaucoup. Nous sommes quand même la première, une des premières communautés Arma, quand même. Hein. Une des chaînes communautaires les plus nombreuses de Arma sur Twitch. C'est là. Ça se fait, ça, hein, les gars. Comme toujours, comme toujours. Ah, alors il m'a répondu, il vient d'arriver, vous pouvez passer. Le DG est t'as le numéro personnel du ministre ? Ouais. Ministre ? Ouais, moi pour non. Savoir s'il est là ou pas. Moi le non. Ministre ? Ministre de la Justice, si, ouais, je l'ai, hein. Pas qu'il soit là, mais il faut quand même essayer de le contacter là pour la LCO. C'est qui t'a dit que j'étais là à la LCO là, Will ? LCO, directeur général. Êtes-vous présent concernant la LCO, c'est ça ? Ouais, pour la LCO, ouais. Écoute, c'est lui qui. Je te conclure quoi ? Je te concurrencerai. Amicalement, bien sûr. Écoute, je te le souhaite si tu veux te lancer dans les lives. Merde. Pour aller voir tout le monde, notre DC. Hein ? Ah ouais. Ah. Je sais pas. Mais bon, ah, mais regarde les. Quoi, qu'est-ce que c'est ? Nous, on n'achète pas des compétences au marché noir. Hein. Je vous. Ah, bah écoute. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais. Allez, on est reparti. Hein. On va tâcher une conduite, par contre. Voilà. Voilà. T'as pas honte d'avoir cassé son buisson quand même ? Mais c'est le buisson qui m'a dévié. Après si tu souhaitais être au courant, fallait le dire. Poteau électrique au courant. C'était rigolo, non ? On pourrait même dire que c'est pas une lumière. Ou il a des ampoules aux mains. Il y a quoi de péter un plomb ? Non ? Vous comprenez pas, non ? Oh bon. Non. Déjà, mais tu vas trop vite. Ouais, je sais. De vitesse. Vous avez compris mes blagues ou pas ? Absolument, mais bon, pas de chercher à relever à la fin, quoi. Ok. Toujours fait plaisir de parler avec vous. Quoi que ça. Encore des civils qui veulent être rebelles, ça. Ah oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah! Non, mais non. Il en manque un. Bah non, il en manque pas un. Il est où ton pote? Salam alaikum, les amis. Salam alaikum, toi-même? Ah bon, d'accord. Alors, t'es tout seul? Il est pas là, ton pote? Moi, je suis tout seul, moi, j'ai pas d'amis, moi. Ah, c'est pas toi qu'on a réparé au virage? Ça, je suis arrivé, il était déjà là, le camion. D'accord.
Est-ce que tu souhaiterais participer au vote de la présidentielle d'Altis? Vote de la présidentielle? Oui. Ça consiste en quoi? Bah voter. Ah, tu votes quoi? Mais tu t'arrives, tu fais hop, 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 je signe, et hop, après à voter. Vous voulez vous présenter? Ouais. J'ai envie d'être le nouveau maire de d'Altis. Et je cherche des gens qui seraient capables de voter pour moi pour avoir tous les jours des steaks frites à la cantine. Il y en a marre du bacon. Il y en a marre. Tomate, salade et jamais malade. Ah, tomate, salade et jamais malade. Toi, tu préfères les grecs. Un peu tout, moi. Un peu tout. Ah, si vous voulez un vote, moi je vous le donne, mon vote. Ah, bah voilà, nickel. Eh bah écoute, rendez-vous demain à 19h à Kavala. Demain matin? Non, demain après-midi. 19h de demain soir à 7h ou demain matin à 19h. Ça va être compliqué hein. À 19h c'est vous embêter, mais moi ce soir les gars 23h ça arrive et là j'ai acheté quelques bouteilles là, ce soir et je peux week-end. Ah tu vas faire une... Ah ça il va teaser lui. J'ai pas compris là. Il va teaser, il va faire la fiesta boum. J'ai des amis qui viennent à la maison, ah ouais. Je pense que je puisse venir sur l'île. Après je sais pas, peut-être pour lui montrer à mon collègue, mais... Il parle avec qui, là? À nous? Vous mais... bah, ah, tu oui. Parles à moi? Oui, il dit qu'il va faire la fiesta ce soir. Mais t'habites pas sur l'île? Eh si, mais je pars de l'île, je vais en voyage, parce que je vais dans une autre maison. Ah, t'habites sur une autre île. J'ai pas d'alcool sur cette île. Et... mais si, il y a de l'alcool. Il y a de la bière et tout. Non, mais pas assez bonne qualité. Ah ouais. En fait, ma femme, avec les enfants, elle a acheté de l'alcool et sur un autre continent. D'accord. Mais c'est pas Ramadan, non? C'est pas Ramadan, moi. Ah ouais. Bon, allez! Eh ben, excuse-nous, on a plus envie de te parler. Bon, allez, bonne soirée. Ouais. Bonne soirée à vous. Bonne journée. Bonne journée. J'ai pas tout compris. Tout compris, pourtant il est simple. Ouais, non, mais j'ai tout compris. Ça. Aïe aïe. L'alcool est pas de bonne qualité, normal. C'est les bandits qui le font. Ils savent pas le faire. CRP ? Ils font, l'alcool en go fast. Des fous. L'alcool ça se marine. Enfin, ça se marine, ça se. Ok. Ça... c'est moi qui ai le plus bourré entre lui et toi en fait. Ah oh, il me fait chier lui, comment on le désactive cette merde là? Merde. Merde quoi? Ah ouais bah ouais on dirait hein, sans déconner. T'as vu Bled? C'est un truc de fou. J'ai parié que John relance avant encore casser ce... oh, on peut passer quand tu veux. On peut casser là? Comme ça? Passer quand tu veux. Ah! Ah, mais ils sont là! Ah, mais ils sont là! Ils ont un corps cassé! Mais non! Si, ils ont un corps cassé! Mais non, ils ont pas cassé encore! Si, regarde! Mais non! Attends, mais viens, on répare leur véhicule comme ça, dès qu'ils reviennent, leur véhicule est déjà réparé. Ils vont pas comprendre. Mais c'est eux, t'es sûr? Oui, c'est eux! Ah, oui, oui! Ils cassent tout le temps! Ah, ouais, c'est eux! Mais non! Ah si, c'est eux! Aïe aïe aïe! Mais qu'est-ce qu'ils font là? On dirait que c'est toi, John, qui conduis. Quoi. Pas vrai? Bah voilà, hop! Allez, on se casse! Allez vite, monte, garde dans le carré. Merci mon petit Trunks de ton resub du troisième mois consécutif. Mon petit Trunks, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Merci mon petit Trunks de ta fidélité depuis le premier jour de l'ouverture de la chaîne. Merci à toi et faites comme Trunks, abonnez-vous à notre chaîne.
Merci, bisous loulou. Moi je fais des bisous maintenant. C'est pas mal ça. C'est fou que pas. Oh là 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 là, j'ai cru qu'on allait mourir. Alors vraiment là tu vois, j'ai entendu un bruit à droite, j'ai vu une voiture en face, j'ai fait freiner, accélérer. Allez, on accélère. Ah putain. Ah désolé, j'ai fait de la merde, j'ai oublié de remettre. Putain, vraiment, je trouve une solution à ça. Mon raccourci, désolé, je suis désolé. Mon raccourci. Mais en fait, j'enlève mon raccourci pour enlever la carte. Quand je suis sur YouTube et tout ça. Voilà. Quand je joue à Rainbow Six, par exemple, Echarpe me permet de faire autre chose. Et du coup, ça me mettait toujours le truc carte. Donc quand je joue à Rainbow Six, je l'enlève. Oh, Dédé, le Michto. Oh, pourquoi le Michto? J'avais un petit problème avec mon PayPal, ça vient d'être réglé. Ah, bah nickel. Ça n'est moins. Oh, que... impossible de céder à la chaîne ou à Chris Rouge. C'est. Il dit ça? Il est fou? Ok. Ah, c'est bon. T'inquiète, mon petit Trinx, y'a pas de soucis. Tu fais partie des heureux. Enfin, abonnés, donateurs. Follower, viewer, depuis le premier jour tu es là, Franks, donc tu auras ta thune de pauvre abonné, mais tu es toi, non, tu seras, je gratte rien du tout, moi, rien n'est obligatoire ici, si je ferais ça pour la thune, ça serait les gars, mais c'est pas le cas, je fais ça pour le plaisir, parce que je live même de la merde, voilà. La bubble, hein. C'est ça la bubble, ouais. Mais la bubble n'existe plus les gars, hein. C'est fini. Ah ouais. Quoi? Bah là t'es dans, là t'es tombé dans du bubble là. Putain de bubble, ouais. De merde. Ouais, elle est en suspens la bubble. Ça se fait qu'elle est en suspens. Bah, les patrons ils ont décidé de faire un voyage. Yes. Oh. Allez, moi je vais aller travailler quand même un peu parce que. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le DG, ça va ou quoi? Ouais, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez garer votre véhicule sur les places adéquates s'il vous plaît? Ah, bah pas de problème, mon collègue. Tu peux te placer sur la place handicapée vu que t'es en moitié handicapé. Elle est là, la place. Elle est là, non. Ma place. Non, ta place elle est là-bas en fait. Non, c'est là-bas. C'est la carte. Avec l'image bleue au sol, tu sais. T'as pas compris? Pas hein. D'image bleue. Vous comprenez pourquoi il est handicapé? Ouais, mais est-ce que vous, ouais. Bah, vous, si vous nous avez permis, est-ce que vous pouvez déplacer ma place avec image bleue là? Je la vois pas moi. Oh là là, il est compliqué. Tu veux pas lui mettre sa voiture dans la place handicapée bleue? Toi, tu sais où aller vu que tu dis garçon. Vous êtes venu pour travailler, messieurs? Ouais. Absolument. Ouais. Parfait. Vous avez des pioches? Non. Nourriture? Non, oui. Non, j'ai des poches. J'ai des poches, j'ai des Red Bull. Non, des pioches. Ah, des pioches. Ouais, on a des pioches. Ah bon, on m'a dit de venir me remplir les poches. On m'a pas dit de ramener ma pioche. Ah, comment ça, remplir les poches? Non, on vient se remplir les poches. Et pourquoi, messieurs? Mais parce qu'on a les poches vides, en fait. Regardez, j'ai les poches vides, monsieur. Vous pouvez aller à la mine d'or, il y a de quoi se remplir les poches là-bas. Hein. Après, y a pas que des. Hey, moi, je vous donne de quoi vous remplir les poches. Ah, mais ah oui, en effet, vous allez me donner de quoi remplir mes poches. Parce que on a des gonzesses qui nous vident les poches en fait. Oula, c'est compliqué en fait, monsieur. Ça c'est. En fait, je vous appelle monsieur le directeur général, mais vous êtes bien le directeur général ou pas? Oui, bien sûr, oui, c'est moi. Ah, parce que vous avez une crâne en bâton d'or, c'est pour ça. Non, c'est juste la couleur qui est jaune. Ah, d'accord. Bah, moi j'ai le même caleçon quand je change pas en fait. Ah, d'accord. Oh non, mais faut pas le dire ça. Ah, faut pas le dire, c'est dégueulasse. Ah, mais non. Ah bah non. Messieurs, vous voulez travailler ou... Bah on veut travailler pour se remplir les poches en fait. Ouais. Bah là on travaille en fait. Mais en fait on travaille déjà. Ah, mais vous êtes qui en fait? Bah on est les remplisseurs de poches.
avec les pioches. Non, non, les videurs de vos poches et nos noms. Ah oui, on vide les poches des autres. Oui, mais... Merci mon petit Trunks, bisous Mouloulou, ça fait super plaisir, merci de ton soutien financier pour tout ça. Merci beaucoup les gars, merci à tous, ça fait super plaisir, merci. Allez-y, vérifiez. Oh la vache, les baskets. Oh putain, t'as vu les pompes qu'il a, les crocodiles là? Oh la vache! Ça, c'est à moi ça maintenant. Putain, t'as vu ça un peu? Putain, j'aimerais bien avoir les. Regarde les miennes, 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 regarde les miennes. Comme ça, dégueulasse moi. Regarde les mecs. Ah bah oui, bah moi je travaille. Bah je marche beaucoup pour vider les poches des os en fait. Ah d'accord. Bon, c'est pas tout ça, mais on voudrait des pioches pour piocher les poches. Ok, je vais vous avoir des pioches, messieurs, alors. Ah, super. Il y a les camions qui sont prêts. Ah, bah super. On vous suit ou on reste là? Ah, parce qu'il faut un permis pour la pioche? Bah non, c'est pour les camions. J'ai le permis de saisir, oui, mais le permis de conduire. C'est quoi le permis de saisir? Le permis de saisir. Ça. Monsieur, vous dites des choses, mais. Vous comprenez pas trop, quoi. Ça tombe bien, je m'appelle Dieu la pioche. Ah, d'accord. Bah, enchanté, monsieur. Ah, bah de rien. Et je vous présente monsieur Fourchette la Cookie. Ok. Et lui là-bas c'est Alfred. Bah tu marques ça. Fourchette de Cookie. Putain, c'est original, ils ont été acceptés à la préfecture vos noms là. Non, en fait on n'est jamais passé à la préfecture parce qu'on vient par bateau en fait. Ah. Et lui là-bas c'est Mimi Sicu, le roi de la chaise. Merci du festival mon petit Rex, merci beaucoup de ton festival. Merci beaucoup, ça fait super plaisir, mon loulou. Tout ça pour voir les boobs, naturellement. Tu m'entends? Allô? Mimi Sicu. Ah oui, ah d'accord, ça s'écrit comme ça. Mimi Sicu. Ouais. Bah, je pense qu'il l'a écrit comme il le prononce, non, c'est ça? Ouais, bah il a écrit Mimi, plus loin Si, plus loin Q. Ah, C-U-L ou... C-U-L, ouais. Ah, Mimi, c'est pas comme ça le Q ici, hein. C'est interdit ce mot-là. On te l'a déjà dit, il faut pas que tu viennes ici espérant faire des Q blancs. Toi, t'es pas black? T'es pas black? Pourtant. Non, t'es blanc, mec, t'es rouquin en plus. Ma mère était black. Ah rouquin de mort, je vais le faire courir, moi, le rouquin. Cours. En fait, quand on t'appelle négro, c'est que t'es pas un négro en fait. T'es un rouquin. À courir, moi, le rouquin. C'est débile, hein. Bah oui, c'est débile. T'as fait 23 ans courtement en fait. Ouais, d'accord, merci. Salut Clément, merci à toi de ton follow, bienvenue parmi nous, bienvenue dans la communauté, ça fait super plaisir. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour avoir en direct des notifications du début de mes lives ou de la mise en ligne de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et naturellement, pour créer des escouades sur d'autres jeux, merci à toi et bienvenue. Je pense qu'il a pas compris, mais bon, après on n'est pas assez explicite. Hein. Non mais en même temps... On n'est pas explicite du tout là. Ah mais non, pas trop. Bon, je lui ai dit que je venais à lui quand on venait ramasser les taxes. Mais il le sait. Il est pas con. C'est pas que c'est nous. C'est pas que bah il sait pas que c'est nous. Je pense pas qu'il est aussi débile que ça. Mais alors, les gars, voilà, ça y est, mais n'importe quoi les mecs. Hein. Oh là là, tu me fatigues toi, tu me fatigues. Elles sont sympas vos plantes hein, quand même. Hein. J'aime beaucoup, c'est des plantes vivantes. Non, c'est mes employés. Ah, je crois que c'était des plantes vivantes. Ah non, c'est pas des plantes, non. Salut les plantes. Ça va ou quoi? Ça pousse? Bonjour monsieur. Ça pousse? Ça pousse? Voilà, vous faites pas pipi dessus, hein, il y a de la mauvaise herbe après. Alors du coup, on va dans votre bureau, c'est ça? Hein? Bon, on va dans votre bureau, monsieur Ferrara. Pourquoi? Bah ouais, vous savez qui on est, non? Non, je sais pas, vous êtes des civils. Bah, oui, bah c'est ça, exactement, c'est ça. Bah, on va vous justifier ça dans votre bureau. Dans... Bah, parce qu'on vous aime bien, parce qu'on aime... Ça, j'ai jamais fait l'amour à quelqu'un avec une cravate en or. Ah. Bah, ça vous dérange pas? Votre collègue peut-être derrière, il est intéressé. Non, mais apparemment vous êtes à bon coup. Ah, je sais pas, c'est qui dit ça? Bah, c'est Mélanie à la boîte à cul. Vous connaissez Mélanie ou pas? Ah, la boîte à cul, ah! Ah! L'entreprise, là. Parce que hier soir, j'étais à la boîte à cul. Ah ouais? Et j'ai rencontré un fameux Dédé. Ah. Et il m'a dit, écoute, mon petit-fils, vous le connaissez, Dédé, non? Là, ça me dit quelque chose. Ouais. Ah ouais, bah voilà. Mais j'ai rencontré Dédé, donc le mari, enfin le copain. Non, monsieur, vous allez devant. Ah si c'est là. Ah ouais, plus confortable celle-là. Ça me plaît déjà plus. Hop, on se met bien ici. Monsieur par contre, non. c'est ma place, monsieur. Ça vous pouvez pas comprendre, non, ça. Monsieur. Non mais monsieur. Mais Missicu, mets un peu de musique romantique pour que monsieur Ferrara se détende. Allez-y, danse. Romantique.
Non mais on est dans la boîte à... C'est pas la boîte à cuisses. I love you, Monsieur Ferrara. Je te regarde. Non, attendez, Monsieur Ferrara, je vous donne ma chaise. Allez. Parce que j'ai l'arrière-train qui est un peu irrité d'hier soir. Allez-y. Merci, mon petit Loan, ça me fait super plaisir. Merci aussi de ton nom. Merci, merci. Super, bisous à toi. Non, mais sérieux, comment il s'appelle déjà, lui? Dieu la coquille, là, je sais pas quoi. Fourchette la coquille. Fourchette la coquille. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, donc on disait, ouais, hier soir, j'ai rencontré Dédé. Ouais, et du coup... Et du coup, il me dit, écoute, va pécho à la Mélanie, là, parce que ça fait un moment qu'elle est toute seule, machin, tout début, bon, bref. Après, c'est vrai qu'elle est pas très belle. Mais bon, ouais. Qui n'a jamais baisé de moche, hein, entre nous? Ouais. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du coup, j'ai bu. J'ai bu un peu de la bière, parce qu'il y a un groupe de bandits, un groupe de gens du sud de Zaros, qui m'ont dit, eh ben écoute, nous on fait de la vodka. Donc du coup, j'ai dit, bah, tiens, j'aimerais bien goûter ta vodka personnelle. Enfin, personnalisée, enfin, ça passe, quoi. Du coup, ouais. Elle m'a mis une gifle, mais une gifle. Du coup, la Mélanie, bah j'ai trouvé plus belle, non. Ah. Donc mais je l'ai perdue dans la soirée, elle était plus là. J'ai dit, Mélanie, c'est la Sainte Marguerite, Mélanie. Et du coup, plus de Mélanie. Donc j'ai 4h du matin, monsieur Farah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis marié, moi. Donc je me casse sur le parking. Et là, qui c'est que je vois? Mélanie, allongée sous le capot, pleine de vomi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu pitié de la bête. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'y suis allé, moi, comme un gros sauvage, comme un salaud. Ben si, mais j'étais sous l'empire de vodka. Ouais. Ah. Et du coup, je me suis réveillé dans la peau. Bah de la police. Et depuis ce matin, je suis policier. Ah d'accord. Et du coup, eh ben je me suis rendu compte que Dédé, bah c'était moi. Tout s'explique en fait. Qui vous a fait oublier en fait. Exactement. Pour oublier quoi? Exactement. Oublier quoi? On oublie quoi en fait? Non mais moi je suis avec lui en fait. Lui il est plus riche que vous les gars. Et du coup je viens prendre votre place. Ah ça c'est... Je sais pas, hein. Allez, on partage 50-50. De quoi 50-50 de quoi? Bah, les gonzesses. Après, c'est. Je sais pas, c'est à la boîte à cul qu'il faut voir. Hein. Je suis pas patron de la boîte à cul, moi. Ah ouais, bah non plus. Hein. Je laisse ça à monsieur Dédé, moi j'ai pas eu de problème. Mais c'est pas vous, monsieur Dédé, du coup? Bah non. Bah là, je vous ai dit que j'étais encore sous l'alcool hier ce matin. Ah, donc là, vous êtes pas sous. Ah, d'accord, ok. Là j'ai défléchi en fait. Vous avez une bouteille dans la wago, c'est pour ça? Ah bah, je reviens comme ça. Je vais boire un coup. Ah non, merci, je bois pas en service. Ah non, bah j'en ai plus. Voilà. Vous êtes en service? Pas en service, mais enfin je travaille quoi. Ah d'accord. Bon, d'accord. Ouais, donc je laisse Fourchette la coquille parler. Oui. Ou Mimicicu, peut-être, t'as quelque chose à dire? Non, t'es pas black, hein, je te précise. Hein. Ah, si tu veux, je peux faire une musique romantique. Ah bah si, monsieur Farah, il est chouillant. Bah, on est plusieurs, on peut faire un truc. Merci mon petit Zach, merci beaucoup de ton don, ça fait super plaisir, merci pardon du retard, hein. C'est pas que j'ai oublié, pas du tout, merci à toi, ça fait super plaisir, merci les gars, vous êtes super, 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 merci à tous, merci, bisous à tous, ça fait super plaisir. Je viens me remplir les poches quoi. Ah bah ouais, là je comprends maintenant la chose. Du coup, vous êtes sûr que vous êtes vous, parce que là c'est une carte civile ça, hein. Vous pouvez avoir des... Eh bien sûr que si. Mais tu comprends pas? Oui. Non, pas vous. Allô? Allô? Mais je suis où là? Allô? On m'a pris en otage! Monsieur les polices! Allô, la police! On m'a pris en otage! C'est bien. Ouais. Non, c'est une blague. Vous vouliez que je tape un corps sur cette foutue table pour vous expliquer tous les problèmes qui vont dans cette entreprise et qui me déplaisent? Mais quel problème? Il y a pas de Sinon, problème. Monsieur Ferrara, vous avez des femmes qui travaillent ici ou pas? Non. Ah. C'est plus la merde. C'est nul. C'est nul? Parce que j'aurais bien voulu voir une. En passant, il y a deux messieurs qui sont venus, qui sont revendiqués comme la secte Scorpion apparemment. Et, oh, on les a mangés. Ils veulent nous faire payer des taxes. Moi je sais, je suis au courant. Si vous voulez, faire payer des taxes à qui? À nous. Donc, si vous voulez, c'est bien, ça a plus de taxes. Si vous voulez, non, si vous non, voulez. Non, c'est sérieux. Ouais, vous pouvez revenir demain, bah, si vous voulez, vous planquez dans le bâtiment. Et dès qu'ils viennent pour discuter, vous embarquez, hein. Adopte un Thaïlandais.com, c'est dégueulasse.
Non, c'est pas, c'est PDG ça, c'est Ah, pas pardon. mon ordinateur. Hein. Ah, d'accord. C'est bizarre, vous pouvez dire. Ouais. Et de la sécurité civile? Oui, les générales, oui. Ah, ouais, c'est possible. Je pensais qu'il était curé quand on regarde là. Adopte un Thaïlandais, hein, quand même. C'est dégueulasse. C'est des curés, ça. Ça va, c'est pas comme le truc de la sécurité civile. L'autre jour, on y allait, il y avait un film de cul dessus. Ah! Sur les PC de la sécurité civile dans la dans le SCP. Enfin, Ils ont tourné un film de cul, c'est ça? non, il y avait un film de cul sur Ah! l'écran du SCP. Oh! Enfin, Ah du ouais, CSP. ils font plaisir là-bas, hein, putain. Ah oh, bah hier soir, j'étais à la boîte à cul. Tiens, en fait, hier soir, j'étais à la boîte à cul. Et j'ai rencontré un mec du sud. Ah, je vous Ah, l'ai déjà dit. aussi en même temps. Ah non, ça c'est encore une autre histoire. Ah, non, mais. Je sais plus. C'est la colle, Bah, du monsieur. coup. Oui. Bah, du coup, vous voulez. Ah oui? Vous voulez remplir les poches? Bonjour, Ah oui! ça va? Bah, Il est j'arrive, temps, hein. quoi. Ah bah. Allez, Il fallait écoutez. brancher, c'est une statue, lui. C'est une plante vivante. Vous avez bougé? Hé! Oh là là là, bonjour! Tessicu, va chercher la voiture! Ouais. Ouais. Quel point de vue magnifique. Ouais, donc ouais, on vous emmerde en fait. Donc ils veulent des taxes, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Ils vous font Ouais. des blocus un petit peu ou pas? Non, mais c'est la première fois qu'ils sont venus. Et Ouais. comme j'ai pour ça que j'ai envoyé un message police. Et ils veulent me recontacter demain pour prendre un rendez-vous apparemment. Donc si vous voulez mettre en place quelque chose pour essayer de les. Il y a le chef qui va venir. Donc si vous voulez l'attraper, c'est maintenant ou jamais quoi. D'accord. J'aurais proposé de venir vers 21h30 demain. Ici, chez vous? Ici, ouais. Ici, ouais. Ça vous intéresse? À côté, Sûr. une petite Venez tenue. en si... Moi, je vous envoie un message. Vous venez en civil, vous foutez en haut dans le bâtiment et dès qu'ils sont dans le bureau, hein. Bon, il n'y a Voilà pas quoi. moyen d'avoir un petit costard, Ah, si, on peut vous prêter un costard, il n'y a pas de problème d'entreprise. Hein, hein? c'est pour Ben le. voilà, on va faire comme ça. Ça marche. Bah écoutez, normalement, c'est demain à 21h30, je leur ai dit de revenir. Super, et comme ça on écoute tout ça, on fait attention à tout ça, et après bah, moi je vous invite à la boîte à cul. Ah, c'est ça, voilà. Hein? Vous connaissez Dyson, la marque des aspirateurs? Oh, oui. Ouais, et bah, ça aspire merveilleusement bien. La Ah. poussière, hein, pas autre chose. Ah, Hein. la poussière, ouais. Tenez, hop. Nickel. Et mine de rien, on en a beaucoup qui aspirent sous cette île. Ah ouais? Ah oui, oh là là, c'est devenu un effet de mode. Regarde, il est poche pleine. Ah la Ah, ça y est, il vache. a rempli là. Hein. Ah Ah, putain, comment on là, il est fait? plus que rempli Bon. là. Ah, faut qu'on aille. Ah bien. Ouais, faut qu'on aille déposer tout ça et aller aider les gens. Voilà, Ça on va marche. déposer. Bon, bah, monsieur Bon Ferrara, courage du coup. je sais pas si vos employés vous dit, À mais ils nous ont toi. fait part que la direction était pas mal absente ces derniers jours. Ouais, je sais, ouais. Ouais, Il donc y a voilà. quelques. Ils m'ont fait mal au cœur parce que c'est des gens que j'aime bien, mine de rien, même si je les embête des fois. Mais c'est des gens que j'aime bien. Prenez soin d'eux quand même. Yes, bah, de toute façon, je peux payer mon Parce que master sans et vos puis. taxes, ma femme ne mange pas, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je peux Bah pas oui. boire la boîte à cul, en fait. C'est embêtant. Faut attention, monsieur Allez, Ferrara. je vous fais pas la bise, mais le courrier. Vous avez monsieur le ministre qui veut vous voir, vous, ou alors le PDG, ou les deux en même temps. Ah ouais? Ouais, urgemment. Mais là, il est pas là, donc. D'accord. Bon, merci, ne m'arrange Gérer pas tout les ça bises, je vais avec essayer de lui. m'arranger. Ça marche, merci Bon, beaucoup, allez, bon monsieur. Bonne courage. journée. Allez, on se casse. Oh, la boîte à cul, hein, c'est quelque chose. Ouais. Oh, intéressant, du coup, on va savoir que demain, 21h30, on va pouvoir se pointer ici. Bon allez, direction les collègues là. Mais qu'est-ce qui se Bijouterie. passe? Je sais. Il y a un code noir d'enclenché. Passe canal 1. Noir d'enclenché. Canal 1. Je suis en Elle a changé RPC. la CP. Comment ça, elle a rechangé? Non, je demande. Mais non, Ah non, non. il n'y a rien qui a été changé. Les gars, on est en A week-end. plus, Vladimir, bon jeu. Si, j'ai une radio. Hein? Ça m'inquiète, les deux petits bracelets hydrauliques devant nous là. Ah ouais. Le temps de vous monter sur Mais on la s'équipe du coup. pointelle là, ça va être pire. Effectivement.
Juste que je décale un peu à la... Sierra, à tous de Sierra, information s'il vous plaît. Si, Zach, c'est en fait à chaque fois que tu vois cet écran là, c'est que je suis sur la radio en fait pour changer la fréquence. Je vais poser les thunes et j'arrive. Ou sur la courte. Dédé, tu veux changer de radio ou c'est bon? Je sais pas, moi j'y suis pas dessus, je sais pas ce qu'il veut, tu fais quoi là? Je vais poser les thunes et je vais pas poser avec autant d'argent. C'est un braquage! Les mains là en tête! Vous avez 5 minutes pour sortir! Y'a du pax! Vas-y, pour moi chinois, ils ont pêché toi quoi! Y'a pas moyen de vous ramener des prisonniers? Si, bah on est en train là! Ça arrive, ça arrive! Ah! Pourquoi y'a des lacrymos et des fumées? Oh, c'est la sécurité civile. Oula! Oh oui. Bah, pardon. Ah, bah, voilà. Aïe. Mais il est où exactement? Ah, mais arrête avec ta voix! Arrête de ta gorge un peu, Bibi. Ouais, le schtroumpf, là, je vais réparer ta voiture, là, tu vois. Putain, toi t'es un fou, toi t'as combien tu roules toi? Il m'a hagar frérot, là t'es au milieu de la route. Ah bah putain, il m'a blessé en plus, putain. Il sait vraiment pas conduire lui. Ouais, bah j'ai vu, putain. T'as fait une esquive et tout, hein? Non, mais t'as raté. De quoi? Ça va au calme, plutôt. Calme, c'est. Voilà, il s'en fout, putain. Putain, tu t'es déjà emplafonné quoi. Ah tiens, t'es tout seul Kerry ou quoi? Non, tu fais pas le show là ou quoi? Ouais. C'est toi qui vas te marier avec mon poteau? Ouais, c'est ma femme. Ouais. Mais putain Kerry, t'es gay ou quoi? Tu te maries pas avec mon poteau, hein, ça marche pas. Ah voilà, je vais me marier. Mais moi je suis un ouf moi. T'es un ouf toi? Vas-y, range ton briquet. Range ton petit 9 mm là. Allez, range ton briquet là. Voilà, tiens. Bon, allez, bisous. Allez, on se casse. Touche pas à mon ami. Ah, c'est ça. Arra. Ouais. C'est lui qui va se marier avec le minutes. Sinon, on a des collègues en difficulté. Moi, je dis ça, je dirais. Ouais, bah. À tous de Sierra, arrivé sur lieu, information, reste des packs, tenue si possible. Tenue scorpion, il reste des packs affirmatifs. On cherche par exemple la TE au nord de la tour de la CAF. Bien pris, on a pas de pack. Enfin, Cobra lead pour CPA lead. Il faut que tu bouges. Parfait. Est-ce qu'on pourrait avoir un scan thermique au nord de la tour de l'Aka? On aurait un pax TE dans cette zone-là. C'est bien pris, est-ce que je pourrais avoir un point environ sur 4 pour pouvoir me checker? Yep. Et Michel, zone blanche, décide. C'est bien pris en force de Michel. L'Aka les gars, c'est derrière nous. Au nord de la tour de l'Aka. C'est au nord. Ouais. Michel de DD. Transmet. Info sur toi. J'ai abattu deux contacts, j'ai secrétaire dans mon véhicule, j'ai besoin d'un médic. Reçu, j'arrive. J'ai des friges là. Ouais, t'as des friges. Non, c'est qui a dit qu'il y avait un pack dans les fougères sur. C'est mon chauffeur. C'est qui, collègue là? Ouais.
sur ta gauche, en face de, sur ta gauche. Doc de DD. Doc de DD. Il est à la BA. Ah. Oh, info. On se fait shoot, ouais. Oh, il y en a qui a pris feu là. Ah, je crois que ça vient de la tour Laka, je suis pas sûr. A priori, il reste sur Laka. Ça vient de là-bas, ça vient de là-bas. Prenez-moi la zimie. De Sierra, on se fait shoot. Je vais regarder. De Jeff, niveau de la colline 106 et colline 100, je vous place un cercle sur 4, Pax, t'es... C'est pas possible. C'est un prêtre, c'est pas un cercle. Bien sûr que si, regarde la zone où on est. Ah, mais regarde de là où viennent les tiens. Ah putain. Ah putain, il a pris une balle. Oh oui. Ah putain, il a pris direct, hein. Ouh. C'est qui? Il s'est levé, quoi. Et la recrue. La recrue. Bah désolé aussi. À tous de DD. On se prend des tirs de TE plutôt précis. De mort. On a besoin d'un strider avec fumigène pour extraction. C'est bien plus de Cobra. De Cobra, est-ce qu'on pourrait avoir une position approximative du TE s'il vous plaît? Aucune idée. Et faites-moi un changement radio. Erwan de Mitchell. France, mais. J'avais un serpier sur la mine désignée. T'as les informations à me donner? On n'a rien à signaler pour l'instant. Il a pris une balle de TE là. Donc ça vient de là-bas. Ça vient de là-ca. Oh, le mec qui a fait ça, là, il est propre. Hein. Transmet. Vous pensez que ça venait de... Remontre à... De ah, ça, peut... Sur... Moi, ça vient de là-bas. Hein. Ça peut venir aussi. Bien pris. Je continue à avancer sur la. Parce que là, d'ici là où je suis, là, y'a aucun visu. Aucun visu. Le mec peut pas tirer de là où on est. C'est 106, c'est ça? Ouais, moi pour moi, ça serait 106, Colin. En face là, tu crois? Ah, c'est pile dans l'axe où il s'est fait shoot en fait. Ah ouais. Ouais, remarque, ouais, peut-être pas non plus. Ouais, je sais pas en fait, c'est bizarre. C'est chelou. Erwan de Mitchell. Transmet. T'as checké un check thermique dessus ou juste dans le... Ah, fibre pilote a tout checké normalement. Vous êtes prêts à évacuer les gars? Ah ouais, mais j'en ai. Je suis mon ordure. Elle est morte ou elle est pas mortelle? Non, elle est pas mortelle. Elle est morte ou pas? Non. Strider de DD, rapproche-toi au niveau de la porte pour qu'on puisse embarquer. Attends. Ah merde. Strider de Jeff. Ah bah si, elle est morte. Ouais. Trop tard. Trop tard, elle est morte, elle est morte. Désolé. Il faut avancer, il faut avancer. Vous pouvez fumer s'il vous plaît pour qu'on puisse dégager. Désolé pour Sector. Allez, on bouge de Sierra. Bibi, y'a moyen de dégager là? Ouais. Tu peux, tu veux que je conduise? Gauche, à gauche, ouais. Vas-y, on fonce. Allez, gaz. Go, go, go. Allez, gaz-toi. Allez, Jeff, monte, monte, monte. C'est bon, vas-y, go, go. Allez, on bouge. Doc. J'ai récupéré un fusil de précision. Ok. T'es la merde, Mago. Essaye d'être rapproché de ouais. Ça arrive. Putain, le mec qui a joué TE là, je sais pas qui c'est, mais il est propre. Hein. Moi, je parie sur un Théo Santo ou un Johan Braga. Allez. Je parie sur Sebastiano ou un truc comme ça. Ouais. Il y a que eux qui snipe aussi bien, donc c'est sûr. Pax potentiel ou pas? La fille, la fille, un TE. Tu sais où c'est ou pas du tout? Apparemment, cercle noir. Ça peut être cercle noir, attention, hein, c'est pas sûr. Hein. Qui a supprimé le cercle noir? C'est moi, Jeff. Il peut être où, de toute façon, c'est la vraie question. Bah, c'est soit cercle noir, soit direction de la cave, et direction de la cave, je vois vraiment pas d'où est l'angle. Pourquoi de tir. Pourquoi il nous a tiré de la... Ah non, Théo, c'est pas possible, putain. En fait, il nous a tiré par une des deux fenêtres, sauf que les deux fenêtres... Théo Santo, c'est pas possible. Non, Théo Sebastiano. Théo Sebastiano ou Johan.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Putain, merci, Nico. Carrément. Ouais, bon, un des deux, c'est... parce que ça, c'est typique, eux. Comme ils savent super bien, les mecs, une ouverture de tir et t'es mort. Planqué. Principal. C'est moi, on s'est fait take down, j'ai scan coma et puis je viens de coma le mec, je suis tout seul. En plein milieu de l'ordre. Bien pris, j'arrive de doc. Le CPA, on peut extraire si besoin de. Si t'arrives, CPA, je vous laisse. Ah, y'a Antoine aussi, ouais, exact. Ouais, mais Antoine, il est moins dans le snipe actuellement, je crois. Conagan, tu récupères Ramsey, s'il te plaît. Il est plus au CAC qu'Antoine. Ça peut être. Bah, Sergei aussi. Gunter, mais moi Scott dans l'hélicoptère. Ah, mais Sergei, c'est moins un sniper. J'ai arrêté, je peux pas. Ouais, c'est plus un back. Lui, c'est plus un rusher back. Ouais, c'est ça, rusher back. Ouais, bon, je dis, allez, Théo, Théo Sebastiano ou Johan. Je te poserai la question. Ici, il a fait la banque. Hein. Oui, il a fait la banque, mais il était plus dans le rush. Hein. Du coup, la Kaklin ? Attention, t'as un back qui s'occupe de. On peut prendre position de tour armé. Hein, sinon. Ouais, mais c'est. Ouais. T'as besoin de soin, hein, Gutter ? Affirmative, je commence à voir tout le monde. Et le strider okay, du côté dessus, donc. C'est bon, vous écoutez ce côté dans l'hélico. Ouais. C'est qu'on a regardé, il y avait personne à l'endroit. On va continuer de checker des endroits plausibles. Hein. Il va continuer de sniper. Hein. Voilà, il faut s'écarter à 1005. Le problème, 1005. C'est que là, on est. Il tire avec un silencieux, donc pour le trouver, c'est bon. Hein. Il était même pas très loin. On se met. On a le bracelet qui était en position colline 148. C'est possible que ça se souvienne de lui, les tirs TE. Attention, on va y aller. Il est descendu au niveau du point 65-62, un peu plus au nord. Ramsey pour Doc. Ah, impossible. Ah non, c'est. Non, là il est en civil, il est parti faire du diamant. Là. Si. Et Raznov là, le point bracelet. C'est lui. Pas un mec en homme qui a un bracelet. Le mec qui est recherché par Interpol. Hein. Tout à droite, tu vas où? Un véhicule police. Hein. Non, mais on va pas le voir, si. Ah si, parce que si jamais par contre c'était lui, bah au moins on le chope. Hein. Okay. Même si j'ai un gros doute, hein, mais bon, faut aller check. Ça marche. Bah, j'espère qu'il fait pas ça avec un bracelet parce que. Oh bah. Non, c'est un camion. Regarde Dimitri Abarovitch. Ah, c'est un camion LC. Non, c'est un camion. On contrôle quand même. Bah non, c'est là, on a autre chose à foutre, les gars. Ah, de Jeff, le point niveau du bracelet, c'est un civil en camion. Sur Bravo, on reçoit des shoots de TE dans notre position, vite. Déclenchez balise. Entendu. Ouais. T'as entendu là? À gauche, là, prends la colline à gauche. Déclenchez balise. Mort ou quoi? On est dans le véhicule, on peut pas, j'ai mis de poids. Ah, reçu. C'est Doc, c'est ça? Non, c'est pas Doc. C'est Bravo. C'est Dumas, etc. On se place du coup? Donc on a pas repéré, tous les points sont. Complexe, en fait, hein. Le problème c'est que ouais, on peut. Et la balle, elle a claqué aussi pas loin de Doc. Hein. Ouais, parce qu'une de notre position, on l'a entendu. Hein. Ah ouais, ça venait vers sur moi. Peut-être la colline azimut 300. Vers les 300 DD. Ah, pour info, les tirs qu'on reçoit de TE sont dans le point là où il y a eu l'accident avec Cobra. Le point est mis sur. Ah, TE, mis sur carte à côté de la LC. 1 km 6 vers la gauche. C'est ça possible, pourrait pas venir c'est du ciel, blanc, le terrain. Non mais c'est un si peu mis de la route. Mis dans un endroit, le coup. Non mais si ça vient de la gauche. Je sais pas si t'as vu le point, mais le point il est en plein milieu de la route là. Mais si jamais le mec s'est planqué dans les fougères, en fait c'est un point de montée à ce niveau là. Tout pour réussir hein, si jamais il est dans les fougères.
Ah, mais il peut pas. Faut qu'il tire pas quand il y a une. En fait, il faut juste pas qu'il tire s'il y a une unité à côté de lui, sinon il peut se faire plaise. Ah, mais on va pas rusher comme ça. Hein. Donc, pour info, le TE a bougé, il est toujours dans ce secteur là, je vous mets un cercle. Le secteur. Le blanc là ? Secteur bleu au niveau de la légendaire. Ah, c'est ça. C'est bizarre, moi, tu vois, j'ai dit qu'il était à l'opposé de cette zone. On a eu un contact visuel. Oh, bah, ok. Il y a peut-être deux alors. Parce que nous, on a pris une balle juste après que tu t'as dit que t'avais besoin. Ok, il y a une voiture. Donc à l'opposé. On va se placer par là. Hein. Ouais, dans les fougères. Ouais, confirmé dans les fougères. Parce qu'ici, on est bien, non ? On va se placer en TE. Et si, ouais, bof. Ah. Bof, pas du tout. Se mettre un minimum après, à couvert. Si. Bah, alors on se place tour armé. Hein. Voilà, la droite. Est-ce que les tours armées bijoutiers ont été sécu ? Ah, si. Bah, voilà. Allez, go. Prenez un TE. Moi, j'ai déjà le truc là que j'ai. Alors là, j'avais un mec armé sur ma position, mais je crois pas qu'il fait partie de l'action. Ah, il est blessé, marche arrière, marche arrière. Ouais. Je suis pas sûr de votre coup, les gars. Ouais. On les écoutille. Cas où, c'est l'autre porte. Là où j'ai fermé. Tu donnes la distance, Dédé ? Ouais, j'ai 700. À peu près 700, 690. Info position sniper, s'il vous plaît, si vous en avez. Cercle bleu, apparemment, dans les fougères. Un véhicule Ford noir avec un véhicule police à côté. Merci. À côté, ils s'en foutent. C'est fou. Désolé. Ah non, c'est bon. C'est un civil. Ah, la fille, hein. En plus, c'est en train, ouais. On check depuis tout à l'heure, mais. On a CPA qui check thermique, là. On a Doc déjà qui le fait, après, je sais pas si c'est encore sur le c'est CPA, ils sont au sol, là. You. T'as pas d'hélico en vol ? Okay. Oh, yo, okay, le Striker, il est plus là. Si, je suis là. Vous entendez ? Rafi, alors de Ramsey, là où vous pensez qu'il y a un TE, il y avait un Pax au sol et on l'a battu tout à l'heure. Et... Donc de Dumas, on a reçu des tirs d'ici et on a eu un contact visuel après votre départ. Il est où alors? Ah, il est là, j'ai là. Sur Doc. Il est là. Elle est venue me canarder ces buissons là. Ah ouais, c'est bon, là. C'est bien, il vient de se casser la gueule après avoir tiré. Juste à mes pieds là, juste en moi les gars. Ok, vu. Entre les 867 867. Par contre, dépêchez-vous avant qu'ils mettent. Non, c'est bon, je vois. C'est bon, j'ai visé. De DD, j'ai visé. Fais attention. 875, hein. 875, ouais, vas-y. Il bouge pas. Non, c'est bouge. Bah, il devrait se rendre, on est beaucoup trop loin. Oh, raté, pas bon. Si, c'est un rateur. Mort. Bien joué. Ah bah désolé, c'est moi qui l'ai buté. Bravo.
Ah, j'ai pas fait exprès, franchement. C'est pas les pour le colonel. Transmet. J'ai besoin de vous, BA si possible. On a 3 technos qui lancent encore des bâtons lumineux sur moi. C'est de la racaille ou quoi? C'est de la racaille. Eh ben, vous les. Vous les... Je te spot pas du bas. Oh! 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 Non, Dédé! Oh! 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 Il a glissé tout le long! Oh putain! Le bug! Le bug! Ouais, bah oui, bah. Non, j'ai pas voulu. J'aurais bien voulu savoir qui c'était, par contre. Parce que franchement, le mec le, qui a mis la balle de TE là, dans la montagne, là, j'ai envie de lui donner une médaille. Putain, donc c'était NTR. Oh, mais non! Je suis entré dans le sol. Tant pis. Ou armé au niveau nord de la LC. Et t'as Dédé là-bas? Ah, sur notre mission. Et ouais, je vois pas c'est son GPS. Ça va. Il est encore en vie. Balise. Ouais, je vais au thème, mais c'est vrai que je vois pas lui, c'est bizarre. J'arrive. Donc voilà. Proposition, suggestion, si vous voulez bien mettre dans suggestion sur Discord les propositions de live que vous souhaitez sur PS, sur console, tout ça là, ce serait sympa. Ouais, rip, ouais, j'ai glissé le long, quoi. Ça le bug, de ouf. Ça arrive. Je suis en train de finir de. Hop. Ah, c'est bon, je suis là. Il est là. Je suis là. Il vient de surveiller vite. Oh, s'il va embarquer vite, fait faire un petit check. Let's go. Bon, après, vous êtes deux médecins là, ça va le faire, non? Ouais, c'est bon, Didi, c'est bon. Ah, okay. c'est bon, annulé du coup, il est bon. Et après. Est-ce qu'on a encore d'autres packs? C'était Théo? Ah, bah nickel, bah je m'en doutais, tu vois. Eh, on connaît les joueurs à force. Hein. Ouais. Mais franchement, il a assuré. Hein. Franchement, là, il a. Là, Deux qu'on s'extrait de la zone, il faut qu'on passe un rapidement à la bière. Il nous a fait quoi là? Mais j'ai glissé en fait. J'aime bien parce que je te vois descendre et là j'attends. Ah non! Oh! 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 Et là je te vois descendre un étage, deux étages, trois étages, je fais. Oh putain! Mais je savais que ça allait arriver, mais je savais pas quand en fait. Aïe. Ah, force, on connaît hein. Ah bah. T'es au courant qu'il y avait du stuff dans le véhicule? J'ai vérifié, il n'y en avait pas. Ah. C'est pas lit d'informations sur zone, il y avait une trousse et un sac. Ok, bon ça alors. De sirène, plus rien. Tu vas me noter là? Allô? On passe canal 6 nous? Ah. Oh putain. Bah c'était Théo, tu vois. Bah c'était bien joué Théo, la balle de Théo là. Quand je regarde qui c'est qui a mis la balle de Théo dans la maison. Si c'est lui. Ah, en fait il se cache dans les putains de buissons et. Bah ouais. La raison, ils sont full camo. Parce que c'est, en fait, si tu te mets sur une colline, t'es trop spot, alors que tu es dans une fougère. Personne n'arrive à te capter, la thermique ça passe pas au travers. Attends, la thermique ça passe pas au travers? C'est ça que je les aime bien, les gars. En fait, ça passe au travers que si t'es au-dessus ou sur un côté et qu'il est suffisamment proche. Oh, Germain! Mais vas-y, putain, Kyrick, tu balances encore une fois des putains de lumière sur ma putain de brigade. Je te jure. Je vais te défoncer, Kyrick. Putain, je vais te défoncer. Trop mal. Vas-y, t'es une racaille en costard ou quoi? Kerry, putain, tu cherches la galère ou quoi là? En fait, putain. Moi, je viens me rendre. Pourquoi? Je sais pas, je viens me rendre. Mais tu rentres de... T'as fait quoi? T'as fait quoi? En fait, je suis un gars de la cité et tout, et moi, j'ai plus envie d'être un mec de la tête. Tu veux quoi? Tu veux être un mec bien? Ouais, je veux partir dans le côté légal. Tu veux être flic? Non, pas flic. Ouais, tu veux quoi? J'ai envie de libérer toutes ces crasses là. Toi, tout mon casier judiciaire et tout là. Tu quoi? J'ai un casier moi. Ouais, je sais que t'as un casier. T'es une putain de racaille, c'est normal. Y'a moyen juste, tu prends un stylo, tu fais tac tac tac. C'est bon, y'a plus rien. Je fais même pas besoin de stylo, mon petit Kiri, je prends une gomme et je. Tu vois ce que je veux dire? Toi, un stylo ça fait des traces, une gomme ça efface les traces. Mais toi, dans ma vie,
Ah! Attends, je te mets de la morphine. Attends, je te mets de la morphine. C'est quoi, c'est pour me droguer, non? Ouais, c'est pour que tu tombes dans le coma. Et attends, t'es... Ah bah, tu veux essayer? Non, ça va, ça va. Si, si, regarde, je suis en train de t'en mettre. Ouais, ouais, ouais. Alors que ça. Bah, parce que... Il a failli me piquer. Il a failli me piquer. Ça pique pas. Dédé? Ouais. Du coup, il y a les trois pecno qui sont... C'est qui, Dédé? Ah, de fouiller dans mon sac. Le racaille derrière mon dos, c'est comme une boîte de quai avec un homme derrière moi, en fait. Tu vois, c'est pareil. Ouais. Du coup, il y a Romuald et Mohamed. C'est Romuald, Mohamed et je sais pas quel. Oh, Romuald. Je pense que c'est Colin. Ouais, avec ça m'étonnerait pas. Ah, donne jamais, du coup, les mecs qui sont en box là-bas, ils ont même pas été traités. On leur a pas dit leur droit ou quoi que ce soit d'autre. Bravo, vous me recevez? Bonjour. Yo, Romuald. Salut. Comment tu vas? Et toi? Je t'en occupe. Ouais. Je vais très bien. Bon, et libérez. Putain, les gars! Vous avez traité le. Un certain Yohan Bagro. Putain, libérez-moi ça là! Libérez-moi cette race là! Il est accusé d'avoir fait de la bandit. Ah, si, il va. Tout à l'heure, c'est moi. Vous savez ce qu'on va faire, les tâches? Vous savez ce qu'on va faire, les tâches? Ouais. Je vais prendre du white spirit et de l'eau écarlate. Je vais vous asperger avec. Comme ça, vous serez propre. Et je te jure, que si la prochaine fois que tu reviens et que tu balances des putains de trucs sur ma BA, je te promets que je vais à Negadès et je te crache et je te pisse partout. Ah, c'est pas possible. Non. On a projeté de trucs, c'est les autres. Ah, pourquoi vous êtes meloté dans ma putain de BA? Mais qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Bien sûr qu'on rentre chez vous. Mais je te jure, si tu rentres encore une fois chez moi, je rentre chez toi et je te pisse contre les murs. Et je te chie dans le coin de ton salon. Non. Nous on voulait un peu de quick pour qu'on fasse de l'argent. On allait vous remplacer ça par du PVC. Eh ouais. Mais putain, t'as répondu à l'appel d'offre ou quoi? Est-ce que t'as fait un devis? T'as fait un devis ou pas? Ouais, on a fait un devis, hein, c'est un peu cher. Ah bah, j'ai jamais eu ton devis, moi. Bah, c'est et t'as vu, on lui a chié sur la tête depuis la déchouette qu'on poussait. Putain, la vache. T'as vu? Ben, du coup. Tu viens chier sur la tête ou quoi, Romu? Ouais, je viens chier sur le crâne, t'as vu, ça pousse. Putain. Tu sais quoi, on dirait mon ex, une ex à moi. Retourne-toi une fois, pour voir. Ah ouais, en fait, ton cul il est un peu plus large que le sien, mais c'était pas loin. Bah, carrément. Et franchement, tu viens à la boîte à cul, je suis sûr que t'as du succès avec les bandits qui viennent. Ah, regarde, je suis sûr que t'es chaud, bien moi, tu t'as casquette, hein. Comment ça? Bon, allez. Arrêtez, c'est pour... Bon, allez. Allez dehors. Je peux vous voir, là, les abades et les machins, là. Et... Je vous jure que si vous me cassez les couilles dans cette putain de BA, je viens chez vous et je vous pisse contre les murs. C'est ok pour le PVC ou pas? Je te répondrai par message. Parce que j'attends un autre devis encore. Par contre, ce qui serait bien, c'est que tu viennes de temps en temps me faire le ménage. On peut. Eh ben, si tu viens, je te paye. Bah, on est là. Non, mais pas aujourd'hui. On est. Allez. Tous les lundis matin, vous venez faire le ménage. On fait comme ça, les gars? Et en fait, mon petit Mohamed, là, j'ai entendu dire que t'as un certificat médical qui te permet de fumer de la weed tranquillement, toi. Et justement, que t'allais faire un petit peu de business aux côtés de la DC, là? Devant le terminal. Ah bon? Ouais. Je te jure. Ouais, fais attention si tu fais du business d'un certificat médical. Tu vois ma main? Elle sera tatouée à vie sur ton front en fait. Sur ton petit cul, tu vois. J'ai une opération dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Bah allez, dehors et lundi matin et lundi soir, nettoyage de la BA. Ouais, ouais. Allez, oust. Ouais, c'est ça, ouais. Les poulets. Hey, hop. On les connaît. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, oh putain, magaz. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je sais pas. Je vais déposer la petite plainte là. La petite quoi? La petite plainte. Contre les petits. La plainte pourquoi déjà? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hein? Si tu me parles, j'entends rien. Ah, d'accord. Bah, viens, on monte là. Ah, ouf. Yeah. Putain, tu vas cracher sur la gueule, putain, Romuald. Mais non, vous voyez là.
vous avez fait le dossier du monsieur ou pas? Parce que vous avez donné le numéro. On dirait Johnny. Négatif, on allait le faire. C'est arrivé, on te le rend. Ouais, je dirais. Je t'ai promis que je te pissais dessus quand tu me crachais dessus. Bouge, bouge, il pisse, il pisse, il pisse. Vas-y, je défonce les boys. Salut papy. Je vais taper dans les couilles. Ah ouais. Je vous avais dit, la prochaine fois, je vous pisserai dessus, les gars. Ça fait mal au coup d'œil. Allez. Quand tu commences à jouer comme ça, nous, on va cracher partout, les vitres. On va se frotter le zizi sur les vitres, tu vois ce que ça fait. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, ma gueule? Allez, attends, hein. Voilà. Moi, avoir envoyé vidéo à Lopez. Ouais. Et du coup, lui. Pas le moins fort, hein. Pas en faible. Je te l'envoie. Normalement, il l'a envoyé. Non, il me l'a pas encore envoyé. Il aurait dû. Tu veux que je la renvoie maintenant ou plus tard? Bah, plus tard. Si ça te dérange pas. Bon, bah, du coup, je sais plus avec qui j'étais en sécurité civile, mais on était en train. Avec Loan là. On était à la Oil. Ah, Jeff. Et puis, c'est dans mon camion. Ouais. Et du coup, on arrive là-bas et puis il y a un gros gunfight, on arrive dans plus loin. Et du coup, avec l'hélicoptère, bah, il va voir, je vais avec parce qu'il n'y a rien à faire. Mmh. Et du coup, on voyait trois monsieur habillés en tenue de, d'employé de la Bubble. À toute la police, équipez-vous de boucliers, de grenades, et vous allez faire du maintien d'ordre devant la BA. Et du coup, on les voyait sur avec tenue employée. What the fuck? Du coup, bah, du coup, ils ont tiré et puis après, ils sont revenus sur zone. Vous avez reçu ou pas? Genre 10 minutes. C'est reçu pour comprendre. Après, bah... Ok, à tous les leaders, là, vous me équipez casque lourd, bouclier et la grenade lacrymogène et vous me faites du maintien d'ordre. Ouais, vas-y, vas-y. Du coup, je recommence au début, je suppose. Ouais, non, non, vas-y, vas-y. Bah, bon, du coup, je suis sur zone après pour crocheter tous les véhicules et c'est ce moment-là que je suis sur vidéo. Mais je demande avec qui j'étais en hélicoptère pour voir si lui a pas encore la vidéo de tout le combat. Ah ouais, d'accord. De toute façon, je suppose que le crochetage est déjà assez illégal pour. Voilà quoi. Ouais. Donc voilà. Bon. Tout ce que j'ai pu voir. Ah bah écoute, on va voir ça. De laisser le. Monsieur. Que la sécurité civile mette le véhicule en fourrière, il a refusé, il a dit ouais, non, ouais. Tu n'auras pas ce véhicule, hein, nianer, et puis c'est parti. D'accord. Bon, bah écoute, on va voir ça sur la vidéo. Bah, tu me l'envoies dès que tu peux, là, tu me l'envoies par téléphone. Ouais, je t'envoie ça par email après la tempête. Non, bon, voilà. Ok, ça marche. Après mon service, pas de soucis. Ouais. On fait comme ça, merguez. Bon, le casino, ça marche ou pas? Bah, j'attends que. Ouais, t'as toi tes murs, toi. Les murs se mettent ultimement, là. Ouais, mais le problème, c'est que les Portugais de nos jours sont plus de confiance. Ah ouais, j'ai vu ça fait un moment que j'attends. Hein. Ouais. Demande au mieux, tu verras. Oh. C'est pas un mec de confiance. En plus, il y a une honte, ils m'ont enlevé les mains à GVN, ils les ont même pas rendus. Ah ouais. La discrimination, ouais. Hein. Gunter. Non, je suis pas en partie. Salut, beauté fatale. Il y a une voiture dessus là, je passe t'as remarqué. Ouais, bonjour. Non, mais nous, mais. Elle est à quelqu'un, non pertin, on sort plutôt. Bon, on s'en fout. Et bah t'inquiète, oui, par contre, t'avais fait une journée puis c'est cool, non donc, il faut repayer toute la ou tout le temps. On demande le prix. Vous êtes tous prêts? Bon, t'as envie de retourner à l'espace? Vous êtes tous prêts ou pas? La naste. Toi, gros, tu fais quoi? À tout. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais faire les sommations. Est-ce que vous êtes prêts? À toute la police, est-ce que vous m'entendez? Affirmatif. Allez, vous mettez à l'entrée principale en bouclier. Avec des stunts. Manifestants, police d'Altis, première sommation, vous êtes à prier de vous écarter. Première sommation, circulez, sinon nous allons faire usage de la force. Et la racaille, deuxième sommation, circulez. Sinon, nous serons obligés de faire usage de la force. Ouais, ouais, il va se suicider. Ne circulez pas, messieurs, nous serons obligés de charger. Veuillez reculer. Mais pour remettre à quel dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Je répète, dernière sommation, nous allons faire usage de la force. Ramsey qui
quelqu'un a dit que Yon Bagrov est accusé d'avoir braqué la banque hier, s'il vous plaît, c'est urgent. C'est Et donc, comment tu sais? Il est soupçonné, hein. Ah, soupçonné, bah on met pas alors. Ouais mais négatif, y a personne qui est soupçonné étant donné qu'il n'y a plus de policiers les gars. Si il restait des policiers. Les prénoms qu'on vient récupérer sur la banque hier, Johan, Antoine, Sergei et okay. Et pour eux ça va, bah, y a un circuit avec son cas imagine. Et ton Johan Bagrov. Ça mérite. Oh Miel, je t'avais dit de bouger. Sale toxico. Qu'est-ce qu'il fait? Mais t'es fou! Mais il peut pas? Il peut pas. Je t'avais dit de partir! Vous avez dit de partir. Bon, bah là maintenant c'est plus pareil. Cracher sur un policier, manifestation illégale et détérioration du bien d'appartement au gouvernement. Ça va vous coûter cher les gars. Sans compter le nombre de fois que je vais venir chez vous, vous pissez sur les murs. Alors à tous, vous leur mettez outrage sur un agent de la force publique par les crachats. Détérioration d'un bien appartement au gouvernement et manifestation illégale devant un bâtiment gouvernemental. Et refus d'obtempérer et de sommation de libérer la voie publique. C'est reçu. Voilà, merci. Eh ben vous l'interpellez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah! C'est bordel là! Le colonel, vite! Putain, j'ai failli mourir! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est les marshals, ça, encore! Franchement, ça fait que deux fois ce soir! Tout va bien, les gars, c'est une super soirée! C'est la soirée combat! Qu'est-ce qui s'est passé? Attention. Bah oui, depuis tout à l'heure je le vois faire avec l'hélico, c'était obligé. Oui, il y a la garlingue qui te tape le cul, bouge toi. Merci, le civil les gars, pensez au civil. Oh la vache, je suis pas bien con. Ah, j'ai plus de pansement. Pose un garrot sur les gens là. La tête est en rouge. Oh oh. Je vous ai dit. Qui c'est? Oh moi je vais mourir aussi à ce moment. Mais qu'est-ce que c'est que ce connerie là? Dame James ne mourrait pas. Non, bah là pour le coup c'est plutôt vos collègues qui sont dans le mal. C'est pas mes collègues, c'est des civils. Des civils en plus qu'elles ont, les pauvres. Oh les pauvres bêtes. Je veux savoir déjà de 1 pourquoi il y a quelqu'un qui a essayé de poser un hélicoptère sur un camion. Moi je propose que tu commences par aider les personnes à soigner avant. Pourquoi il est con? Mais le problème c'est qu'il y a 40 000 personnes et j'arrive pas à accéder à la personne qui me laisse. Allez messieurs, je vais faire la défibrillation, on recule. Après les stats, ouais c'est bon. Si il est stable. Si il est stable. Mais Scott, ta jambe. Morphine. Mais Scott, comment tu fais pour être encore debout? Défibre. Je pose les patchs. Comment elles sont rouges? En charge. Ah mais là t'es rouge de partout en fait. Je choque. Tout le monde s'en fout de moi en fait. Bon allez, après vous prenez tous vos services là, j'en ai marre de vos conneries là. Tu prennes du sang, faut t'arrêter de Papy! Attends, bouge pas. Oui, il y a les garros. Ça a l'air beau. Une grosse dans la gueule. Tiens les garros des jambes.
Il faut du sang pour le colonel. C'est pour le sang sur monsieur Scott. Vous savez qu'il connaît lui. C'est bon, Scott. Ah, parce que on lui avait crié. Regarde, je te fais. Ah, ouais. Ah. C'était lui le colonel. Le sécurité civile, il faut bouger. Alors, tout va bien aller. Oula, c'est. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre collègue, là? Bougez pas, monsieur, hein, bougez pas. Votre crue, là? Elle a craqué? C'est un attentat dans une, c'est un attentat dans une brigade de police? C'est qui un truc de bagarre? Bougez pas, vous avez une transfusion. C'est une transfusion de saline. Bah ouais, mais... Enfin, un colonel, c'est une recrue, putain. C'est inutile, mais. C'est une recrue, ça? Mais arrêtez de m'embarquer avec mon colonel, merde. Putain, mais qu'est-ce que vous avez? Moi, j'aimerais bien avoir la paye du colonel, surtout. Là. Putain, ouais, moi aussi, je l'ai vu la paye du colonel. Quoi? Dédé, tu me reçois? Français? Ça te dit un truc, Yvan Bagrob? De quoi? Ça te dit un truc, Yvan Bagrob? Ouais? On l'a devant nous, tu veux? Il dit que Syrah, il le connaît. Ah ouais, on le connaît bien. C'était comme. Non, vous avez pas. Syrah, vous allez voir Jason là, il y a quelqu'un d'intéressant. Il a braqué une banque hier, les gars. Vous allez bien recruter. Ouais, mais on a pas de preuve. Bah qui a dit qu'il y avait une preuve contre lui? Ouais. Donc, bah voilà, bah Elias, va faire ton client. Mais il est dans les caisses. Jason, t'es dans les caisses? Non. À côté? Va voir Jason. Je t'envoie le mec qui a la preuve. Ouais. Ça va, c'est t'es là? Non, je suis pas bien, les gars. Y'a le mec, ton Johan, je sais pas quoi là. Depuis tout à l'heure, il fait des petites menaces. Comme quoi, il va venir. Ça s'appelle la chance. Que comme quoi, c'est pas pour venir le chercher. Non, c'est juste ça. Johan, tu parles pas de culotte? Ouais, c'est bien. Tu parles pas de culotte? Attends, j'entends rien parce qu'il y a tout le monde qui parle à toi. Tu parles pas de culotte? C'est-à-dire? Mais je suis en train de voir sous ta jupe. Dublé n'a absolument aucune. Non, mais c'est un truc de dingue quand même. Tu t'étonnes après pourquoi tous les hommes sont après toi en fait? Tu comprends mieux maintenant? Si tu portes pas de culotte, c'est normal. Apprends à mettre une petite culotte. Comment tu fais pendant tes périodes? Tu mets pas de culotte? Ouais, donc ouais. Voilà, elle met une culotte et elle revient. Voilà. C'est bon, Loan. Merci. Loan! Non, mais goûte pas, Dublé, on t'aime. Bon, elle est partie, on l'a vexé. Bon, lieutenant, restez. Le monsieur est en. A tous, vous traitez aussi Johan Bragov, il fait des petites menaces sur les Marshalls. À 20h15, mais je pouvais pas parce qu'il y avait la cérémonie. Je crois que le karma m'a eu. J'avais demandé. Oui, papy. C'est reçu? Oui. Vous prenez la plainte de madame Dublé Lehan. Enfin bon, ouais. Et vous rajoutez ça à son dossier. Je vérifie votre transfusion. Elle fait un petit peu le bordel là. Je sais pas si j'ai été compréhensible parce que j'ai un peu parlé chinois. Non, bah. On conçoit tout à fait que. C'est bon, je peux m'enlever moi ou pas? Ah oui. Oui, normalement c'est bon, transfus fini, c'est bon. Ah bah super, merci Affinity, c'est juste. Madame Loan, c'est de rien n'était. Allez où Loan là? Comment vous faites votre boulot? Ah oui? Que c'est ça? Est-ce qu'on a Logia de disponible? C'est ce qui s'amuse à dire que comme quoi la prison nanana je sais pas quoi. Il y a quoi là-bas la prison? La prison c'est une passoire. Ah ouais c'est une passoire, ah oui. Parce qu'il y a les VVZ je sais pas quoi. De Scott s'il vous plaît, est-ce que t'en veux en prendre par aller en faible? Ah Johan t'es revenu? Ah oui. Ah c'est bizarre, j'ai un collègue. Qu'est-ce que t'as fait hier? Du tout hier. T'as rien fait du tout? Parce que c'est bizarre, j'ai un collègue, il t'a vu quelque part hier. Ça. Hein? Votre banque là apparemment? Ouais. Et c'est bizarre. Vu ça où? Parce que franchement. Bah je sais pas, apparemment il y a des voitures à ton nom là-bas, enfin je sais pas. Bah je pense pas moi. Ah bah écoute, apparemment si. Ah non. J'espère pour toi qu'il n'y a pas de lien, Johan, parce que tu vas retourner en tôle en fait. T'inquiète, tu m'as débrouillé après. Oh, si. Ah si, si, si. Ouais, je pense. Ah, il a déjà un petit séjour là. Je suis content de te revoir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu m'as manqué. Ouais, tu m'as manqué. Tu sais, des gars de ton tempérament, il n'y en a pas beaucoup ici, hein. Ça court pas les rues. Hein. Oui. Sinon, je me fais chier, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais? Faut bien qu'on s'amuse tous les deux, hein, de temps en temps. Le jeu du chat de la souris, au cache-cache. C'est pas mal, dommage ça. Dommage que la pointe n'est plus là. Hein. Il est plus policier, lui. Ah, bah non, il est parti. Ça. Oui, ça me disait bien avec lui. Hein. Ouais, c'était pas mal.
D'ailleurs, il cherche toujours des cochons, mais il en a pas retrouvé. Ah oui. Donc j'ai pris la relève. Ils sont partis. Mais du coup, vous avez fini. Bon. Je vais te laisser entre les mains de mes collègues qui ont quelques preuves sur toi. C'est qui m'a appelé? Il y a que des nouvelles têtes, hein. Ah oui, t'inquiète. J'ai dû renouveler, tu sais, à force de les tuer, bah faut que je change. Hein? Mais bon, comme on dit, hein, il y a que les montagnes qui se rencontrent pas, mon petit Yoann. Passe le bonjour aux autres. Bon, bah, vous faites ce que vous avez à faire avec lui. Hein. Vous lui avez notifié les droits ou pas? Eh ben voilà, bah le qui est un policier? Quel est le policier qui est en charge de ce dossier? Eh ben voilà, ben parfait. Qui a les preuves? Ouais, ben voilà, tiens, c'est bon, tiens, tu vous énervez pas les gars. Il a tout ce qu'il faut lui là-bas. Lui, il va faire sa peine, tout simplement, hein. Il a payé. Il va faire sa peine, comme tous les. Qu'est-ce que tu fais avec ta hache? Tu veux lui couper une jambe ou quoi? C'est non. Ah d'accord. Non. Non, c'est non, bah, parce que moi je peux faire comme lui, hein, je peux me retourner, il n'y a rien à voir. Hein. Non, mais c'est spécialité, Johan. C'est un jouet. Oh, mais ah, moi, c'est je tourne pas le dos. Ah, oui, toi, tu regardes dans les yeux. Ouais. Apparemment. Tentative de meurtre, équipement illégal pour un privé et tout. Ah, mais si on a des clients, ça. Pour un excès de vitesse. Tu prends gros, ça aussi. Répète. Il y en a un dans le box. Pour excès de vitesse. Ça s'appelle comment? À combien? Je sais plus. Beaucoup? Non, j'étais sur la main. Le bête, je sais. Non, je regarderai ça, t'inquiète pas. Si c'est pas conforme, je te le dirai. Ça va encore péter. J'ai pas encore. Ouais. Bon, j'étais équipé légalement. Ah, t'étais équipé? Non, j'étais pas. Tout était dans la voiture. Comment il s'appelle? Impossible. Comme d'habitude. Ouais, ok. Quoi? Il a déjà une peine de diamant. Merci. Bon, allez, pour tous ceux qui ont rien à foutre, c'est en patrouille que ça se passe. Allez, que ça saute là, je veux plus voir de policiers à rien branler dans cette BA. Vous sortez, vous faites votre patrouille, vous arrêtez les méchants, et le premier qui t'atteint un autre flic, il est viré. Non, ne t'atteins pas, mon homme. Merguez. Qui m'appelle? Tu pars hors de la merguez. Si tu veux, je peux le faire. Hein. Allez, les gars, on bouge là. Vous avez le morphine, monsieur? Quoi? Dédé, s'il te plaît. Non, oui. Bon. Arrêtez de m'appeler Dédé ici. Ouais. T'es où, pas du tout? Deux? Du thé? Après, ça presse là? Ça presse? Pardon? C'est pressant? Mais non, mais le truc c'est que bah, je suis doute près après minuit, il y aura d'autres parents capables de le faire donc je vais demander. Bon, allez, vas-y. Vas-y. Si, c'est bon. Bah, vas-y, tout de suite là. Merci. Pourquoi le général? Parce qu'il s'est posé juste derrière. Tu me dis quand t'es parti, hein? Ok, là je vais voir Martine maintenant. Oui, bon, en même temps, pour sa défense, c'est un peu la zone là, la BA aujourd'hui. Hein. J'avoue, c'est un peu le bordel. Il se passait quoi tout à l'heure là? Il fait bichir, il se prend la gueule. Tout simplement, le L4 avait besoin d'une révision. Il n'y a pas réussi à avoir la preuve formelle que c'est bien Yoann Bagrov. Bah, tu lui retiens pas. Ça m'embête, mais je suis quasi sûr que c'est lui, c'est ce qu'il disait. Il y avait un Antoine Sebastiano et. Mais c'est ça, l'hélicoptère sur le. Bah, si c'est pas lui, tu peux pas lui retenir en fait. C'était pas mieux de prendre un FSR et tout. Bon, bah, tu le relèves pas. Tu lui relèves le reste, mais pas ça, ok? Non, y'a pas de soucis. Bah, c'est bien. Bon, allez, à tous les autres policiers qui ont rien à faire, je vais vous voir en patrouille maintenant. C'est plus une BA en fait, c'est un multi-bureau ici. Allez, on se bouge les gars. Jason. Le quoi lui? Bon, et c'est quand que Romu il sort là? Oh là là. Oh là là, c'est chiant. Casse les couilles lui, je te jure là. Qui ça? Les arrestations arbitraires là. Ouais, bah arbitraire, qui me dit. Arbitraire, quoi, c'est vous décidez, on fait ci, on fait ça. Tais-toi. Ouais, toi. Putain, tiens. Je vais sortir le macaron, voilà.
Tiens, toi avec ta capuche là, tiens. Tiens, toi taille face toi. Hein, tu mérites que ça toi. Vas-y, attends, sors la serbacane, sors la serbacane. Ah, parce que... Sierra, posez Canal 6. Ouais, on est déjà Canal 6. Mais ben, s'amuser avec eux aussi un peu. On peut pas toujours être répressif, les gars, c'est pas possible. Les PD qui change pas de canne, non? Bah, moi je suis là. Justement. ADD, ça va pas. Je te trouve un peu discriminatoire. Si, quoi. Y'a Casquette, il veut vraiment se marier avec Kyrie. Il est fou, quoi, lui. Là, j'ai budgé par balle. Mais sérieux, tu vas te marier? Mais c'est quoi le problème? Mais t'es con ou quoi? Mais en quoi je suis con? Mais tu vas perdre ta place? Ah, si c'est un problème pour ça, bah, un pack ça fera l'affaire. Hein. Tu veux vraiment? Un quoi? Un pack. T'as pas compris en fait. En fait, t'es dans une unité d'élite en fait. On est des bonhommes. Mais ça n'empêche rien. Non, mais je sais très bien que ça n'empêche rien. C'est pas de l'homophobie que je suis en train de te dire. C'est que j'ai une réputation, moi, et mon unité. Rien ne sortira de tira, tu sais. J'ai envie de te dire, va te faire enculer, mais c'est rentré dans ton jeu. Venez, viens voir deux secondes. Hey Kerry. Kerry. Allez, c'est Kerry. Hein? Je vois pas ce qui dérange, hein. Ah, la si caisse. Ça dérange tant que ça, je peux me cacher. Non, mais on va te mettre dans Viper. Tu vas être bien là-bas. Non, pas Viper, non. Pas Viper. Si, bon, à partir de demain, t'es muté dans Viper. Félicitations de ta nouvelle affectation, Lopez. Bah, du coup, je pensais changer de nom. Ah, en effet, tu veux t'appeler plutôt Lopette. Lopette ou... Je vais porter plainte pour homophobie. Vas-y, y'a pas de problème, tu veux que je prenne ta plainte? Non, j'irai voir un agent qui n'est pas concerné par l'affaire. Bah, je suis pas concerné, moi je suis colonel. Tu sais être impartial? Lopette. Vous vous souvenez de la recrue Bellic? Il m'appelait comme ça. Avant. La recrue Bellic? Et puis un jour, il te l'a mis dans le cul, il t'a aimé, c'est ça? Non, mais vous savez. C'est vrai, il y a des routes, hein? Bah, je sais pas, moi je dis ça. Mais il n'y a pas de route pour aller là. Très longue histoire. C'est pas parce que le général il est pas là que c'est la fête. Il n'y a pas de route pour aller à la mine. Et il y a quoi à la mine? Les gens? On s'en fout des gens, ils travaillent. C'est travailler. On est en banane. Salut! Votez pour moi! Steak fric à la cantine! Vas-y, ils veulent pas de steak fric. Mais si, attends, on va faire un PPR Five Ciseaux. Après, les gars, s'il y a un problème, faut me le dire. Hein. Putain, il est assistant en plus, lui. Hein. Ouais, bonjour! Je propose un Shifumi pour 100 000. 100 000. Ouais. Bah si tu gagnes, je te donne 100 000. Non. Tu votes pour lui. C'est ça. Comment ça on vote pour lui? Bah en fait demain il y a les élections à 19h à Kabbalah. Ah bon? Je t'ai même pas au courant. Les élections de la municipalité. Avoir un nouveau maire. C'est quoi votre programme? Non, il va mettre mon programme, steak fric à la cantine à la place du bacon tactique, des armes pour tous les civils. Oui, et mis à part les steak frites à la cantine, ouais. Moi je change pas la cantine, moi je suis indépendant, monsieur. Mais pour aller tu manges du bacon tactique, on est d'accord? Oui. Ah bah alors, t'as pas envie d'un steak frites? Oui,
travaillez à l'ADC qui. Eh ben, tu auras des steaks frites. En gros, votre programme politique ne tient que sur du steak frites en fait. Exactement. Ouais, donc en gros, bah, tout compris. Et sur la légalisation, et des armes pour tous les humains, vous avez pas peur que ce soit la guerre? Bah, justement, ça évitera ce genre de personnage. Monsieur le maire, Ah, bah, monsieur, tu peux m'appeler monsieur le maire. Ah, merci. Merci, peuple. Merci, peuple, de reconnaître enfin ma. Ne tient que sur du. La cantine, steak frites. Clairement, vous n'êtes pas allé loin. Vous allez tout à fait. Est-ce que tu le vois, ce steak là? Est-ce que tu veux manger un steak? Non, mais monsieur, j'ai pas envie. J'aime pas le steak. On est d'accord. Bon, alors, ce sera poulet frites pour toi. Calmez-vous, calmez-vous. Bon. Donc, personne veut jouer au Shifumi? Politique, il est claqué au sol. Bégayer, c'est rien comprendre. Claqué au sol, mais monsieur, faut faire ça. Monsieur, comment vous appelez au sol? J'ai monsieur Joe Labouille. D'accord. Toi qui vas finir claqué au sol, tu vas voir. Et monsieur, votre programme, son programme politique, il tient pas debout. En gros, vous juste vous parlez juste du steak frites pour tout le monde. Vous faites comment pour ceux qui essayent de travailler durement comme moi là? Bah, on vous félicite. C'est quoi ton salaire, fiston? Donc, bah, moi, monsieur, je suis indépendant, je suis en intérim. Je suis intérimaire. Bon. Ah, tu gagnes combien? Ah, là, ce trajet-là, j'ai dû gagner quoi? 400 000 à tout péter. Eh ben voilà, tu gagnes déjà plus que moi, fiston. Ouais, mais monsieur le futur maire, est-ce que vous allez aider ce travail en intérim ou pas? Bah, est-ce que toi, tu vas m'aider pour que moi, je gagne plus aussi? Ah, ça dépend. Si vous changez, si vous prenez... Est-ce que ça te dérange que je gagne moins que toi, déjà? Non, clairement, je m'en fiche. Voilà. Donc, pourquoi je t'aiderai, alors? Je sais pas, vous avez... Est-ce qu'il y a moins... Il y a ceux qui... pardon. Est-ce que ça te dérange que lui, il gagne 300 000? Est-ce qu'il est au courant que toi, t'as un barème privilégié en tant qu'intérimaire? Est-ce qu'il est au courant, ça? Monsieur intérimaire, donc sachant, ça, là, les frais d'entretien, j'en ai pour 150 000. Pour le sortir, j'en ai pour 25 000 à tout rond. Je vous dis clairement, je vais payer 25 000 pour le sortir. Et l'essence, qui fait que d'augmenter, n'arrange pas les choses. Donc au final, sur les 450 000 que je viens de gagner, j'en ai 250 000 qui vont rentrer brut pour moi. Et lui, il travaille pour moins que cher que toi. Tu trouves ça normal? Brut, monsieur, brut. J'enlève les. On s'en fout du brut, j'ai pas le donnet là. En net, je vais gagner quoi? Allez quoi? 150 000 à tout péter? 150 000 net, monsieur. C'est le premier voyage. Et après, c'est le deuxième. Ah, monsieur, sur le deuxième voyage, je gagne quoi? Eh, je vais gagner 25 000 de plus. Bonjour. Et sur le troisième? Excusez-moi, monsieur. Monsieur Crenshaw? Ouais. Crenshaw avec ses lunettes noires. Oui. Non, il. Ah bah y'allez, je prends plus juste mon camion, il va aller, vous y allez. Bon, allez, je laisse travailler les civils. Oui, allez-y. Le civil qui a tout compris à la vie, là. En plus, je veux gagner 100 000, lui, à Shifumi. Vous incitez. Non. Attendez, écoutez. Je veux gagner 100 000 balles, moi. Allez, c'est vrai? Tous les jours. Papier, pierre, ciseaux. Merde. Non, monsieur, moi, je m'en fiche, du moins. Papier, pierre, ciseaux. En maire adjoint, lui. Mais monsieur, je parle de la politique. Monsieur, j'ai pas envie de faire la petite, papier, pierre, ciseaux. C'est bon, t'as compris, fiston? Là, si vous payez les gens pour qu'ils votent, donc en fait, c'est la condition pour qu'ils mettent. Tu sais pas comment faire. Papier, alors, tu fais shift, contrôle, 3, contrôle, 6, contrôle, 4. Ouais, mais il a pas compris. Ouais, non, mais tu peux pas jouer en fait. Ouais, mais tu peux pas, voilà. Ouais, t'es handicapé, tant pis, t'as perdu 100 000. Par contre, tu viens de les perdre, donc il faut que tu me payes. Putain, merde. Merde. Non, vote pour moi demain soir, 19h, steak frites. Vas-y, pas de problème, pas de problème. Bon, allez, on se représente à la force. On lutte contre ce genre de personnage, en fait. Qui, en fait, est intérimaire et qui paye moins de taxes que vous, ça, c'est pas normal. En fait, sur un voyage, il gagne deux fois plus que toi. C'est pas normal, ça. C'est marrant. Oh, mais... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je sais pas. Je sais pas, vous me regardez. Oula. Je sais pas, je trouve beau gosse. Excuse-moi. Pardon. T'es beau gosse, toi? Ouais. Tu viens pas à la boîte à cul, toi? Pardon? Tu viens pas à la boîte à cul, toi, déjà? C'est pas mal, hein? Oui, alors... Tourne-toi une fois pour voir que je te voie du dos. Ah, mais... Moi, s'il vous plaît. Si, si, regarde, tourne-toi. Oh putain, mon petit lapinou! Regarde, c'est mon petit lapinou, ça! Mais t'es pas déguisé en lapin, ça, aujourd'hui? Ah, faut pas le dire, tes compagnons sont pas au courant. Futur maire. Bah, disons que le futur maire, il se souvient très bien de toi, hein! Coquin! Coquinou, celui-là! Oh là là, quel coquinou, celui-là!
Ah, il aime ça en plus. Clac, il aime ça. Allez. Tu sais comment on l'appelle dans le jargon? Le pompiste. Bah allez, on y va. Votez pour moi, 19h. Vive la botte à cul. Comment ça, c'est claqué au sol, ce programme? Non. C'est le mec qui gueule et qui gagne plus que vous, les gars. C'est quand même grave, hein. Bah, on gagne à peu près pareil, nous. Ah, t'es intérimaire aussi, toi? Ah, ouais. Oh, putain. Moi, je m'en veux. Allez, mon petit lapinou, à ce soir, la boîte à cul. Le sale qu'a voulu jouer un petit Fumi, il peut pas jouer. Ah, oh, merde, pauvre. Putain, j'allais lui donner, en plus. Même s'il perdait. Bon, allez, on se casse. Bon, allez, on fait notre boulot, les gars. C'est bon. Ça fait mal. Mais c'était le lapinou, ça va bien, ça. J'ai envie de manger des bonbons, mais j'ai pas le droit. Je peux pas. On a pas oublié quelqu'un? Par voiture. Oh, tu m'as fait un coup de stress. Hein? Il m'a dit qu'il a piqué ma nièce pour voler sa voiture. Il m'a demandé de tuer. Il y a personne qui a des indices ou des infos là? S'il a dit non. Yo, Marc Taxi, comment il va, mon petit Ferrara? Alors, toujours des pioches pour voler, pour remplir les pioches et les poches? Oh putain. Mais arrêtez de me... Wow. Quoi? T'es cassé là? Problème. Mais non, j'ai des gros... J'ai des gros frises mentaux là. Faut pas trouver une copine comme Bond, quoi. Faut que tu sortes de l'ordinaire. Hein. Ah là là. La fameuse boîte à cul. Hein. Faut vraiment que j'en crée une. Je suis sûr que ça marcherait. Syrah, ça veut dire quoi? Le Syrah. Raté, c'est service de recherche d'altiste. T'es viré. Pourquoi ils sont tous à la BA encore là? Je sais pas. Compliqué, hein. Pourquoi j'ai pas la longue sur carte là, s'il vous plaît? Toujours les. Longue c'est 56.7, ils veulent te parler, c'est toujours les 3 Gugus qui te veulent te parler. Qui ça? Voilà, ils les ralentissent apparemment au niveau de la BA. Comment ça? En gros, ils veulent te voir, ils veulent te parler. Qui? Les 3 Gugus là au niveau de la BA. J'ai pas le temps là, je suis en train de faire mon boulot. De Jeff pour le. Enfin, du colonel, pas le temps, il a le fait. Ça reçu, on les relâche du coup? Ma fille. Ouais, faites les circuits. Sortez-moi de cette BA là, de plusieurs. Justement, à cause d'on est ralenti. Aïe 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 aïe. Merci mon petit mort taxi pour la boîte à cul, c'est super sympa. Merci beaucoup de ton don, ça me fait super plaisir. Merci à toi, classe à toi, merci à vous tous, merci à toi Théo, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Et la boîte à cul te remercie aussi. Merci beaucoup. Cordias de vous. Cordias soit Yuri. J'adore vos petits messages de dons, d'abonnés, de... C'est... Franchement, il y a des fois, ça me fait bien marrer. Et Oh putain, on a cassé... Oh putain, on a cassé le pare-choc. Mais c'est barré en plus. Oh, c'est cul. Putain.
Putain! La fameuse boîte à cuve, c'est clair. Putain! On va pas filer la main, hein. Putain, le pare-choc, bordel! Je suis pas moi. Bon bah j'ai Nabil Lazarov qui m'a free kill pour ma voiture. Bah t'as la vidéo ? Ouais. Et bah tu vas avoir un modo dans le channel free kill. Ouais. Pas de soucis. Qui c'est qui conduisait le camion orange ? Qui c'est qui a conduit le camion orange ? Qui a conduit le camion orange ? Pariez que c'est celui qui est en haut là-haut. Ah, je parie que c'est lui là-haut. Écoutez, ah, parce qu'il. Bah, il m'a pété le pare-choc. Laissez-le. Bah, c'est bon. Vous voulez qu'on vérifie ça, monsieur ? Non, je veux que ce soit lui qui vérifie. Vous lui mettez votre pare-choc, il a qu'à aller. Tout va bien. Je vais mettre 2-3-10. Hop là. Je suis occupé. Oui, wow, wow, wow. Eh, mais pas des vis, t'es fou. Mais les. Mais putain, mais c'est une Mercedes, bordel de merde. C'est pas une Twingo. Il a mis des vis. Il a mis des vis. Putain, mais vous vous étonnez pas après que vous... Mais vous êtes sérieux? Vous avez foutu des vis sur ma Merco, là? Non, mais sans déconner, t'as mis des... mais t'es un malade. Mais pourquoi t'es... Mais pourquoi vous... Mais non, mais laisse... Mais arrête. Laisse mon capé fermé, toi. Non, mais arrête tes conneries. Tu vas me bousiller la Merco, là. Tu vas m'en faire une Renault, là. Mais putain, mais vous êtes sérieux, les mecs? Mais putain, après, ça vous étonne pas que vous soyez au chômage, en fait? Vous avez vu le travail que vous faites, les gars? C'est du travail du sud de la planète, ça. Monsieur, bonjour. Bah ouais, quand même. Monsieur bah, oui. Vous m'avez appelé? Non. J'ai cru comprendre que vous voulez voir le monsieur qui conduisait le camion. Oui, mon pare-choc. Et tes collègues, ils m'ont mis des vis dans la Mercedes. En détail, ça. Merci, adjudant. Comment vous pouvez accepter... Ah, adjudant, vous êtes gradé. Ouais, bah, il faut bien... Comment se fait-il que vos recrues... Regarde, il a mis des vis. Donc, des vis. Il a pété mon pare-choc et l'autre du gus qui est derrière là-bas, il m'a fait un petit bzzz dans le moteur et il m'a changé. Non mais attendez, c'est pas normal les gars. Moi je vais déposer plainte et je vais demander 500 000 euros de dommages et intérêts. Regardez tout ça, c'est tout neuf. Ouais, c'est vachement neuf. La voiture elle est totalement endommagée, il a niqué la batterie, elle démarre plus. Attends, rappelle-moi quelle est la couleur de ton béret. Elle est rouge. Mais non, mais arrêtez. Oh là là, mais c'est pas une voiture. Oh là là là. La voiture qui lui faut. Mais si, c'est pour. Je vais l'emmener loin. Ouais, bah, ouais. C'est pas emmerdant. Ouais, bah oui. C'est ça. J'ai le même. Enfin bref, on s'en va nous. Oh la vache. Y'a intérêt qu'elle démarre. Hein. Elle démarre putain. Ah putain, elle démarre pas, putain. Elle démarre pas, hein. Putain, elle démarre pas la bagnole. Hein. Ah, c'est 500 000. Hein. C'est 500 000 hein. Attends, ça. Je suis mécanicien et que je pourrais trouver le problème, mais c'est quoi, comme t'es un grand garçon, tu vas rembourser la voiture directement puisque... Ouais, bah voilà, bah c'est trop... Ah, bah voilà. Donc c'est 11 millions. Très cher collègue, faut embarquer. C'est... Ah bah non, c'est bon, tu l'as déjà embarqué. J'ai un dit. Si vous voulez, je peux vous donner... D'un voleur. Combien? Oui, vous remboursez le pare-choc. Ah. Non, non. Tout neuf. Non, mais il m'a donné 2000 balles, le mec. Mais t'as cru que j'allais t'acheter une sucette ou quoi? Ça fait beaucoup de sucettes, hein. Écoute, si t'as le malheur de venir dans ma discothèque à Déhochori, je te promets que je vais te faire cracher ton pognon. T'as compris? C'est compris. Et la prochaine fois que tu me putain ma bagnole, je vais aller déposer plainte. C'est quoi ton nom? Ah, moi je sais. C'est quoi? Oh là là, mais ils sont complètement débiles là-dedans. Allez, on se casse. On peut pas savoir ce qu'ils font. Oh non. Ça va partir en couille cette histoire. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces mecs là? En train de mettre des coups de perceuse et des coups de visseuse sur son collègue, surtout là. Je sais pas ce qu'il a sorti à la fin là, mais on aurait dit un groupe de tronçonneuse. Hein. Ah ouais. C'est des malades la sécu, mais ils ont complètement baisé. L'autre m'a foutu des vis dans la Mercedes.
Ils sont complètement baisés en fait. Ah, ils s'ennuient les pauvres, hein, c'est normal. Non, ils sont partis de la BA les autres. Oh merde. Tu vas y arriver aussi, toi, t'inquiète pas. Va sucer un glaçon, ça ira mieux après. C'est cool à rajouter que j'ai pensé il y a pas si longtemps que ça. Non. Et kilométrage en voiture. Pour. Comme ça au moins, on pourrait faire des contrôles techniques. Et tu pourrais faire, on pourrait faire en sorte que la voiture soit plus facilement si la voiture elle a des kilomètres. Ouais, c'est vrai. On pourrait faire en sorte du coup d'avoir des. Je vais t'inviter à aller voir le général et lui dire. Bah, c'est ce que je vais aller faire, sauf que bah, tu sais quoi, bah, il est pas là. Ça mec bag, ouais, ils s'ennuient les mecs. Hein. Les mecs ils s'ennuient, hein. Un petit Théo. Un petit en taxi, ils s'ennuient les mecs. Bah, tu m'étonnes qu'il n'y ait pas d'accord. Non. Tu peux le lobby, hein. De quoi? Bon, va à Negades. Non, ah, c'est chiant. Ah, va faire un petit tour sur la Pascavala pour voir si c'est bien. Je crois pas, on est pas payé. Oh là là, je vous dis que. D'ailleurs, vous avez eu vos payes hein? T'as fait les payes? Non. Bah non, non, parce que. On avait, en fait, on a même pas fait le quota des 20 millions. Du coup, bah, j'ai dit au général, je fais bah ouais, mais on fait comment là? On s'encule ou... Il a dit bah je sais pas, on va trouver une solution. Et je lui ai dit bah ça serait bien que, en fait, dès qu'on passe de l'argent, tout soit redistribué sur le compte de la police et qu'ensuite de ça, bah il nous donne les salaires directement sans que... Parce que si je mets une amende, ça va aller dans ma poche, là c'est nul. Ouais. Ouais. Je vais essayer avec lui. Passons dans la vie, toi. Sinon tu fais comme moi, tu prends jamais de paye. Ouais. Bah moi j'ai jamais de paye. Je suis sûr que t'as eu une paye à l'époque. Non, jamais. J'ai toujours redonné ma paye. Non, je n'ai jamais eu. Je te jure, c'est vrai. Genre, je vais arriver vers toi, je vais te donner ta paye, je vais faire ADD. C'est ta paye depuis 5 ans. Ah bah là, laisse tomber, ça se compte en millions, les gars. C'est encore la BA là? Putain, c'est pas vrai. Ah non. Qu'est-ce qu'il faut avec un hélicoptère encore au cul là? C'est quoi? Non, non, c'est bon. Je vais regarder. Ça se bouge un peu. Le numéro de l'ON, toi. Qui? Avec Ryan. Tu veux te marier avec tout le monde toi en fait? Je vais sur la radio, tu parles de mec, il y a un problème. Mais pourquoi tu veux... tu parles toujours de mec, là? Ah, ça, je sais pas. T'as un problème, Alex. Non. T'as un problème psychologique, t'as eu un chagrin d'amour avec une femme, t'as des envies différentes, t'as pas assez mangé de sucre. Je pense que j'ai pas assez mangé de sucre. Allô, Martine, oui, tu peux me... Oh, intéressant, c'était où, oh, putain. Ça, oh, merde. Oh, oh putain. Loto. Oh là, c'est jackpot loto là. Où ça pue ça? Et où ça passe à nous? Mais c'est énorme celui-là. Bah ouais, celui-là. Ouh. Bah j'espère pour lui qu'il sera jamais chopé en train de faire de la merde. Oh la belle bête. Ouh. Oh ça pue ça. T'as un problème, hein, Alex. Hein. Avoir un morceau de sucre, s'il te plaît, je me sens pas bien. Mais c'est pas un morceau de sucre, c'est une gifle que je vais te mettre. Un truc sucré, quoi. Mais putain, mais. Ah non, 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 non. Ah quoi? Parce que tu veux? Non, pas mon colonel, quand même. Ouais. Ça marche pas, là. Ça a cassé encore. Bah allez, c'est bon, tu vas pas t'endormir devant le truc, là, c'est bon. Allez, on se casse. Arrive pas. Mais putain, mais va sucer un glaçon. Hein. Allez! C'est bon, on sait à qui il est. Ah, c'est bon, ça marche. Oh. C'est bon, j'ai trouvé un morceau de sucre, Bibi, c'est quelqu'un de gentil.
On parle pas la bouche pleine. Va Bibi. Ça fait longtemps que ça t'est pas arrivé. Hein. Attends, quoi? Je crois que j'ai mal entendu. Non? Ah bon, là, ils sont en sourd. Il se passe rien du tout, hein. Non. Là, c'est le vide vitesse de ton collègue. Non, en fait, on vérifie, ouais, effectivement, les entrepôts. C'est automatique, donc. Mais on tape pas forcément, en fait. Vraiment, s'il y a des grosses. Genre, t'es où, Sabastano? Je vais te rembourser, Mathieu. Attendez, okay. Gens qui klaxonnent, une voiture. Dans la rue, c'est chiant. Bon, bah, je vais te rembourser une voiture. Non, tape pas forcément. On regarde, on sait où ils sont, mais. T'imagines si on commençait à taper tous des entrepôts pour un gros truc Bah ouais, le problème c'est que voilà quoi. C'était au Sabastano quoi. On sait qu'il fait des braquages, il sait qu'il y a des meurtres, il sait qu'il y a ci. Lui, quand on va le choper, on va venir là, il n'y aura plus d'entrepôt, il n'y aura plus rien. Mais c'est en fait c'est ce qu'on veut en fait au niveau RP en fait. Faire les choses discrètement et intelligemment. Pour éviter ça en fait. Non, tout simplement. Ouais, je sais, à part des armes. À part des armes, il ne doit pas y avoir grand chose. À mon avis. Bon, du coup, en concertation avec moi-même, j'ai pris rendez-vous chez le psy. Ah non, mais tu te démerdes. Tant, si pour moi, le psy me dit que t'es pas apte à prendre ton service, tu prends pas ton service. Non, t'as un problème, tu cherches du sucre chez Bibi, enfin c'est compliqué. C'est toi qui m'as dit de prendre un sucre. Un sucre, pas autre chose. Bah ouais, bah j'ai pris un sucre, hein. Il m'a donné un bout de sucre. Hein. Bah lui, il va te donner une sucette aussi. Hein. Non, juste un sucre. Un sucre qui se tape contre les joues. Avec un chewing-gum au milieu. Je suis pas vendeur de bonbons non plus. Ah Bibi, je veux pas savoir comment tu l'appelles. Ok, reçu de CP, on arrive. C'est juste un. Voilà quoi. CPA, c'est crash. Allez, vous me trouvez un bateau rapidement là. Putain, y'a pas de port dans le coin. Si, y'a un Neo-Shuri. Go Neo-Shuri pour Sierra, on va chercher un bateau. Fais une com longue, on dit tout le monde au port, on ramène le CPA. Au milieu de l'eau là. Allez, on se dépêche d'aller chercher des bateaux ou des hélicos et on les ramène. Avec LSD, c'est ça. Mais non, Abzel, ça va pas. Jason. Mais non, mais il est con ou quoi lui? Jason, tu fais quoi là? Les gars, ils sont au stream, donc je sais. Jason, tu fais quoi? Bah en fait ils ont dû prendre un virage, c'est avec le L4, ils ont dû s'écraser quoi. On sort un bateau au niveau du port de Néo. Ah bah oui c'est ça. Ouais. Ils ont dû prendre un virage trop sec, en pleine puissance, ils sont descendus. Parce que t'as une perte d'altitude. Bah oui ils ont surtout dû taper un mec parce qu'ils étaient en train de check un... Ah un hélico. Soit un hélico, soit le bateau qui était à côté. Bon bah c'est plus. Il est en train de loot en plus. Ouais, ça fait loin hein. Pas loot dans l'eau. Pas loot dans l'eau Dédé. Ouais. Fais comme longue. On se met deux quoi. Cobra pour Viper. Bon, Scott. Ah, il s'énerve. Voilà. Ah, bah, c'est bien. Réfléchis. Les Vipers sont en train de le faire, là-bas. Ouais. Négatif de Viper, on le fait pas. Je suis en train de voir avec la CQ s'ils peuvent pas prendre un hélico pour. Ouais, mais ils sont tirés dessus, hein. T'es con noir, confirmé. Ils sont en train de se faire prendre en otage, on perd les signes GPS. Le port, il est là. Tiens, un bateau.
Rafi, moi j'en ai un, je vais le sortir. Mais pas ton gilet, Didi. Ma mitrailleuse aussi. On se dirige tranquille, le plus rapidement possible sur la. Oil, du coup. Mais poussez-vous, les gars, là, putain. Vas-y, sautez dans l'eau déjà. Il va être loin. Dépêchez-vous, ils sont dans la mer. Chanter. Oh, tout le monde est dedans? Mais bon, Monnier! Attends, on est bien d'accord que c'est pas chargé. Si, c'est chargé. Si, c'est chargé. L'arrière-ci. L'arrière est chargé. Les autres, vous pouvez vous mettre sous le côté ou devant pour tirer. Je peux pas tirer, moi. Je suis en thermique là. Je peux pas tirer du tout. Mais je peux voir l'écran de. De Sierra, on est en bateau de combat, on arrive sur CPA. On est dans l'eau, aucune idée. Dis-leur par message qu'on arrive en bateau. Visez les statues de mes collègues hélico qui tentent de nous finir au-dessus de l'eau. Alors on voit qu'on arrive. Par contre, tu peux pas tourner plus. T'inquiète, on est bon, nous on shootera à l'avant. De ramasser pour les autres cobras, du coup la situation est bonne, je fonce BH, je sors en hélicoptère avec Gunter, on va aller. De Sierra, on est équipé en bateau de combat. Direction le CPA. Tu pourras pas changer de place. C'est reçu, mais étant donné qu'ils sont en hélicoptère, les assaillants voulaient pas qu'on vienne en hélicoptère. On peut pas tirer. Si, vous venez en hélico, les gars. Non. Nous, on est en bateau. On arrive. Ce que je te dis, c'est la merde. Qu'est-ce qui est la merde? Place de. Chef de bord, t'as quoi? T'as pas intérêt de me tirer une balle dans la crâne, toi. Hein. Déjà que t'as besoin de sucre. Là. Ok, le ski qui dit, on va pas tenir longtemps. Casquette, il faut que tu sois prêt là, ça va chier. Ok, casquette. Casquette ? Ouais, je suis là. Incline-toi de l'autre côté. Ah, mais c'est parfait, tu peux incliner de n'importe côté. Mais c'est nickel. On ne tire pas dessus, toi, hein, je te le dis. Passage canal. Vous nous recevez, CPA ? Si vous nous recevez, CPA, arrivez d'ici 1 à 2 minutes. On se met. On va essayer de prendre la courbe de l'hélico. De l'hélico, on va essayer de le L4 s'il bouge pas. Ok, le L4 est juste en face, il est au ras de la. Tu peux pas tirer devant? Non, c'est derrière. Mais là, j'ai peur de vous mettre. Il faudra juste s'incliner un peu sur le côté. Mais non, mais tu vas tirer de par derrière. Hein. Parce que là, tu vas mettre une. Mais non, mais tu vas mettre une balle dans la tête. Il se barre. Juste à viser. Hein. Il se barre. Tu vas changer de place, toi? Vas-y, il a tiré. Non, t'inquiète. Il est à droite, Dédé, à droite. Oui, bah attends, on récupère déjà les collègues. Il a récupéré, l'hélico, il a récupéré le bracelet. Il vient sur nous. Dis feu. Allô, vas-y. Vous recevez? Oui, c'est bon, on est là. Vas-y, feu. Il est parti. Ah non, bah vous voyez, c'est bon, nickel. Valsky, tu me reçois? Rache-le. Ouais, il a sauté. Jeff, ok. Un homme qui vient de sauter du hélico là, qui s'est jeté au-dessus de la rue. Mais une zone sur terre. Ah, faut. Un code noir, les gars, hein, depuis tout à l'heure. Il y a un homme qui vient de sauter de l'hélicoptère sur une zone de point mi-carte, les gars. Je récupère les hommes dans l'eau. C'est le bras
bracelet qui est au-dessus d'eux, donc c'est le bracelet qu'il faut vous intéresser. On va aller récupérer les collègues. Tenez bon les filles, tenez bon. Ok, je descends, je descends. Allez, monte! Salut! Salut, monte! On a le commun sur Echo. Il monte, Paulé. Le mec qui a sauté de l'hélico, il est sur Echo. On a Paulé. Ah, fi. C'est pas mon sens. On suit le bracelet qu'on valide. Ensuite. Ok, ok. Jeff, t'as poil. Ah, ouais, c'est bon, c'est aussi. Là, si les hélices tu tapes, ça fait un colin qui dort. Ah ouais? Sans déconner, vous êtes les meilleurs. Pensez à me le dire directement, les gars. C'est clean la zone là, ou pas? C'est trop, je vais demander les médecins sur la position. Mec, ah, fille. Quoi, là, en fait. Est-ce qu'on a une position de. Il s'est passé quoi, Scott? Non, moi c'est Follet. Va, rentre Follet. On voulait qu'il se pose. Et on n'a pas eu le temps d'envoyer le message, qui nous a direct ouvert le feu dessus. D'accord. Et après, en fait, on a été rapidement en difficulté parce qu'on avait commencé à perdre le rotor principal. Donc on a essayé de fuir. Mm-hmm. Sauf qu'il nous a suivi et on était limité en termes de manœuvre. Et à un moment donné, ils ont flingué le moteur. Et on a réussi en fait, à s'éjecter juste avant l'impact. Et ils ont fini deux de mes hommes avant de continuer sur. D'accord. Le combat, ils ont pris des tirs, on a l'hélico sur. Aussi, si vous pouvez nous le ramener sur nous, ce serait pas mal, on a une mitrailleuse. Hein. En 762. De Cobra Force, on arrive en renfort. Je descends avec une descente. Aïe 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 aïe. Super, merci. Voilà. C'est pour toi. Hein. Essayez de le faire revenir sur nous, les. Vraiment? Ah oh ouais! Ah oh, ils sont trop loin! Ah oh, merde! Allez, on va au pire gosse! Encore des pires gosses! À gauche là-bas, on a de la fumée! Mais c'est la oeil! Bah tiens, on va prendre le truc à l'œil. On peut, non? Ah, nickel. Bonjour, c'est pour les taxes. Kowalski, tu me reçois, t'es où? Bien alors. Arrive. Oh là là, comme on arrive vite. Poink. Fais un vieux poink. Le bruit que ça fait, c'est trop bien. Bonjour, bon vous avez compris qui on est, on vient juste déposer le bateau et un hélicoptère, merci, désolé. J'ai dit on vient juste vous emprunter le port et l'héliport, ils ont besoin des ouvriers là. Allez-y. Merci.
Ah, pourquoi je peux plus courir, moi? Il a M200, il a M200 le mec. Hein, qui? De Jeff sur notre position, il part de là, il est là au niveau de la route. Hein, une voiture bleue. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Reçu de Alpha, on y va. Arrêtez-le. D'oreille. Toujours que noir hein, sur ce véhicule. Hein. Pas de voiture, il est parti, il est parti. Mec, il est peut-être pas avec eux, mais à confirmer. Et qui a un M200 a la... Alpha, il est sur pas avec eux, hein, donc aucun code noir, attention. Mais pourquoi code noir? Je comprends rien, c'est un code noir. Le Jeff, là, on a devant la oil, la dame là qui est descendue du cave du VL, il était avec lui à part. Ouais, je peux pas. On peut pas sortir de voiture. On peut sortir un truc ici? Non. Hey, go, on sort un hélico, Sierra, let's go. Let's go. Allez, jaquette, on y va. Ouais. Oh, on peut sortir sa voiture. C'est bizarre ça. Go, go, go. Mais pas celui-là, putain, il est grillé. Pilote, aidez, je pilote. Bah, quand tu veux, je me fous. La fois que j'ai piloté, j'ai. Ah, bah, c'est maintenant que tu le dis, je vais piloter. T'es sérieux là? Non, mais t'es sérieux en disant ça ou pas? Parce que j'ai eu un problème. Ah putain, il est sérieux. Putain, il est sérieux. Et qui a un M200 là? Moi, mais les Impact. Impact, ouais. Et la dame là qui rentre sous nous là, il y a une femme, elle est avec lui, hein, je pense. Enfin, je sais qu'elle était dans sa voiture. Mais c'est bon, il est en c'est bon. Le véhicule bleu là? Ouais, ouais, le bleu là. Je suis où moi? Toutes les unités qui sont sur le véhicule bleu, véhicule individu lourdement armé. Hein. Reçu, c'est intercepté, on l'amène au fort pour le verbaliser. Bien reçu son nom. Notifiez-lui les droits et donnez-moi son nom s'il vous plaît. Allô? Merci, merci, merci. Ayez ce réflexe, les gars. Interpellation, notification des droits et prise d'identité. Voilà. Là, j'ai sans rappel. 3, 2, 1. Bravo. Je pense qu'il est déjà très défavorablement connu de nos services. Affirmatif. Ben voilà. Les impacts. Les impacts, gros, c'est le c'est casse-couille de la. Ben, vu qu'il comprend rien, ben voilà quoi. Le pélogir. Vas-y. Sierra, passez canapis. Ok, on a un mec à l'LCO chelou apparemment. Encore? Oui, on y va, allez, fonce. J'ai faim. Sierra, vous êtes canal 6? Non. Test. Et bah, allons voir le mec bizarre. Gilet pare-balles, vite, gilet pare-balles,
les pare-balles, armes, boules, cagoule, j'ai dit. Oui. Bonjour, c'était eux là, ils sont un peu bizarres, ils veulent nous vendre des pépites. Ok, c'était eux, c'était eux. C'est bon. Qui eux? Ok, le Sierra Poisonité à vous. C'est deux VL qui prennent la fuite, c'est par direction des collègues. AML et une RS6 à choper niveau de Pierre Gosse. Allez, go sur lui, apparemment ils voulaient leur vendre des pépites. Eux là? Ouais, c'est bon, vous avez... Lui là? Attends, c'est un MP. Hey. Affirmatif, vous pouvez arrêter s'il vous plaît. Hey, excuse-moi, t'aurais pas des pépites avant? Non, j'en ai pas pour l'instant. Pour l'instant? Bah, pourquoi tu veux en vendre à eux, pas à nous? Bibi avec moi. Je sais pas. Hein? Attends. De quoi? Quoi que vous en faites, monsieur? Non, mais toi t'en fais apparemment. C'est bien pris, on arrive des soirs. Ah, vous allez perfaire de la pépite là. Mais il comprend quand on lui parle ou comment ça se passe? On l'a arrêté, il s'en va. Ah, tu comprends? S'il vous plaît. Bah, il vient de quitter la zone Evel, donc on part en poursuite. Prévenez juste qu'on aille revenir à Evel. Pourquoi tu peux arrêter comme une balle comme ça là? Ton collègue l'a dit, lui, de revenir. On intercepte potentiel Pax. Ensuite. Dans la voiture, tu prends ma main dans ta tête. Appelle-moi ton collègue. Je le préviens par radio. Ah ouais. Tu peux revenir s'il te plaît, collègue. Ils veulent que tu viennes. Ah, t'es pas en train de l'appeler par radio. Apparemment, il est pas disponible. T'es pas en train de l'appeler pour par radio. T'es en train de me prendre pour un con. Relève-toi. Préparez-moi. Attention. Préparez-vous, les gars. Ça risque de partir en sucette ici. Et il veut se barrer. Non mais on est sur une radio particulière. Ah non mais ça va pas être possible ça. D'accord, bah si vous voulez je peux aller chercher une radio. Alors tu peux me chercher une véritable radio et que tu mets en communication radio avec une véritable radio. D'accord, mais en fait tout usage du radio auxiliaire est strictement interdit, je te rappelle. En fait pourquoi tu dissimules ton visage? Un truc à cacher? Parce que j'ai un rhume, faut que je me coupe. Ah, moi je pense plutôt que t'as de la, une mauvaise haleine. À force de mentir, t'as des mensonges qui puent dans ta gueule en fait, qui pustrifient, tu vois. Et quand tu respires, bah ça fait tomber tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le chrono il est long, mon petit. Mais de toute façon, on te demande pas s'il peut venir ou pas. Parce que s'il vient pas, c'est toi qui va morfler en fait. T'as compris ou pas? Essaye pas de monter dans ta voiture, je suis devant la porte. J'ai pas oublié, y a pas de problème. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Je sais, mais monsieur, il peut pas venir. Non, mais c'est pas grave, parce que je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de t'expliquer en fait. Il peut pas venir, c'est normal. Parce que là, c'est, en fait, c'est mes potes qui vont le ramener en fait. Casquette pour Jeff. Ah, c'est vos potes qui le poursuivent. Ouais. Ah, ok, bah. Donc, tu vas mettre ta main à l'oreille, tu vas mettre ton téléphone à l'oreille, ou sous le cœur, ou j'en sais rien, et tu vas l'appeler. Bah, si vous voulez, je peux aller chercher une radio si ça vous arrange. Ils sont maillés, lui. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis, moi? Ah non, je vous connais pas. Bah, je suis le Père Noël. Et moi, j'emmène que des cadeaux aux enfants sages. Sinon, moi, je suis le Père Fouetteur et je fouette des petites fesses, des mignons petits enfants comme toi qui ont pas encore mué. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ce que vous voulez réellement, c'est quoi? Mais nous, on veut savoir pourquoi tu viens chez moi et tu veux vendre et voler des camions dans l'entreprise, en fait, comme cet après-midi, en fait. Voilà. Pourquoi tu fais ça au lieu de me demander avant, en fait? Voilà. Pourquoi tu fais ça? Venez bosser sur l'île que ce soir, monsieur. Ouais.
Pourquoi tu veux prendre des... Moi, ouais, j'ai vu. Pourquoi? Allez, on va le prendre là. Oh, monsieur, je vois pas que... Bon, écoute, ben, tu vas mettre les mains sur la tête. Et on va t'embarquer. Mettre les mains sur la tête, tu vas t'ouvrir d'abord le véhicule. Ouvre-moi le véhicule, là. Ouvre ta voiture. Voiture, on a retiré les mains de la tête. Et tu nous partages tes clés. Là. Et on va aller rejoindre ton copain. Allez, partage tes clés. Voilà, merci. Mon copain, il va t'emmener. Et là, on va t'emmener voir ton copain. Allez, mets les mains sur la tête. Allez, là, mets les mains sur la tête. Hop. Parfait. Allez, va voir mon pote. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, bah allez, c'est parti. Ah, j'ai eu le message. En fait. Email a arrêté, c'est un pass. Bon, voilà. Bon bah, je confirme, hein, il a bien l'équipe en sur lui aussi dans la voiture. C'est bien, il va essayer de s'en sortir. Sûrement, j'aime pas les Audi. Il y a tout le monde. Salut mon petit tuche. Y'a personne? Si, y'a du monde. Y'a du monde. Y'a moins d'accent que tout à l'heure. T'es fou toi? Non, c'est vrai qu'on peut faire ça. Test long. J'ai... L'idée pour intégrer la police, c'est 20h, minuit, tous les jours obligatoire. C'est pas... 20h, minuit, c'est l'heure où on demande le plus de présence. Enfin, si tu peux pas pour raison personnelle ou privée, on comprend, ou les examens comme actuellement. Putain, les cons, ils m'ont fermé la porte. Voilà. Il faut faire un minimum d'être là au maximum. Et le serveur sans police, c'est pas possible. Sinon, c'est bon que c'est dedans. Ah putain, j'ai pété la bagnole. Excusez-moi, monsieur. J'ai réparé la voiture et je m'en vais. D'accord ? Ok. Mettez-vous dans la ligne. C'est pas de doublé là. C'est vrai, y'a un problème? Je m'en fous. C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est moi, le patron! Thomas, que j'aime bien. T'as vu avec ma barbe, on dirait un vieux alien. Ouais, attends, je vais te le mettre dans le sac. C'est plus simple. Oh, c'est bientôt fini. Oula. Oh putain, je la reconnais cette voix. Encore lui? Non, c'est pas possible, j'ai rien fait. Encore toi? Ah. Bien faire le mec RP et genre faire le mec de City qui souhaite devenir un bon gars. Ouais, bah j'avais bien compris tout à l'heure. Hein. C'est carrément faisable. Hein. Carrément faisable. Ah merde.
Bien sûr, ça peut le faire. Vous avez appelé l'OGA ou pas? Ouais, ils répondent pas. Ah merde. Donc nous, le premier avec sa voiture bleue, là, on le met en liste d'attente. Et, voilà. Ok. Salut Lucky, ça va ou quoi? Merci d'être là. Bien sûr, Tuche, c'est faisable. Bien sûr. Quand est-ce que tu vas te ranger, Zampa? C'est encore une erreur de parcours, comme toutes les autres fois. C'est ça. Ouais. En fait, ta vie est une erreur, en fait. Voilà. Je sais pas quoi faire de toi. Mais les armes, monsieur, c'est pour de l'autodéfense parce que on a tendu. C'est de l'airsoft, c'est ça? Ouais. Alors attends, je reviens avec. C'est juste pour nous défendre parce qu'on a tendu. J'ai même pas tiré, j'ai même pas fait la porte. C'est normal. Vous voyez le genre de malfrats qui sont arrêtés. Et moi, je suis la marmotte qui remplit le papier sur la tablette de chocolat. Non, pas exactement, mais... Ah, d'accord. Parce que je ressemble pas à une marmotte? Non, pas du tout. Je ressemble à quoi? Un skieur. Un skieur? Et là? Je ressemble à quoi? Un alien qui fait du ski. Mais attends, c'est à moi, ça? Ok. Ils sont amusés à prendre nos masques. Ouais. Et là, attends, je vais regarder ce que toi t'as. Oh putain, elle est pas mal, celle-là. Et là, et c'est pas mieux comme ça? La casquette comme ça, c'est si pas ça mal. Ça va, c'est mieux comme ça. Ouais. Attends, tu ferais pas mener en parc là. On n'a pas donné en. Regarde, la seule carte que je peux te donner, regarde, c'est là ce qui est écrit sur la voiture là-bas. C'est pas mal. Et là, je ressemble à quoi? Ça veut rien dire, hein. Je peux très bien prendre un véhicule de police. Rien. Bah, tu sais quoi? Tu sais jouer à Shifumi ou pas? Ouais. Allez, c'est parti, je te libère. Papier, pierre, ciseaux. Si tu gagnes, t'as un bonus. 3, papier, 6, pierre, 4, ciseaux. C'est un peu un. Ah, moi j'ai des problèmes de muscles, ça me fait juste tourner la tête. Ah. Toi tu sais, t'as des problèmes de muscles toi ou pas? Ah oui. T'as des problèmes de muscles ou pas? Bah enlevez-moi mes. Mets les mains sur la tête toi? Ah bah c'est. Ah bah voilà, ça y est, bon, c'est bon, il a réussi. Hein. C'est un peu teubé. T'es vraiment teubé, toi. Papier, pierre, ciseaux. Pierre, ciseaux. Ok. Voilà, c'est bon. Allez, Shifumi. J'ai gagné 1-0. Oh putain, il a la pression là. Ça, c'est qui tout double hein. Attention, Shifumi. Ah, égalité. Shifumi. Ah, j'ai gagné 2-0, les gars. 2-0, les gars. 2-0 pour moi et la dernière, Shifumi. Ouais, j'ai gagné les gars. J'ai gagné. Donc du coup, bah tu prends le double de la sanction. Bah non, je t'ai dit c'est qui tout double. Oui, j'ai pas écouté ça. Ah bah, ouais, qui tout double. Attends, c'est soit le double, soit rien. Allez, vas-y, qui tout double. Le double, soit rien. Allez, Shifumi. De quoi? C'est soit le double, soit rien. Ouais, c'est ça. Ok, alors attendez, parce que moi... C'est pour nous deux ou c'est que pour lui? En gros, j'ai bah, pas... toi t'as le double déjà, toi t'as perdu toi. Ok, en fait je vais prendre pour nous deux. Ah, t'es prêt ou quoi? Moi aussi, je crois que j'ai des problèmes là. Non, ah. C'est faut utiliser Ouais, vas-y, débuffe. Quoi? Appelle, Papier, pierre, ciseaux. T'es bon? Papier, ça existe pas. Ok. Ok. Allez, t'es prêt? Shifumi. Je suis pas prêt. Oh,
Shifumi. À zéro pour moi, les gars. À zéro pour. Il a fait ciseau, t'as fait pire. Ouais. Allez, c'est parti. T'es prêt? Shifumi. Wesh, égalité. Shifumi. Oh putain. Oh putain, il a égalisé. Eh, il attend. Eh, oh, eh, oh. Allez, t'as triché, c'est 2-0 pour moi. C'est 2-0 pour moi. Et en même temps. Ah, mais il est un peu teubé, c'est pas de sa faute. Bah, allez, toujours à 0 pour moi. Shifumi. Ouais, attendez. Ah, ouais, mais il est nul, lui. Mais... Pisto, la prochaine fois, si tu fais mal, t'as perdu. Allez, Shifumi. Ah, j'ai gagné 2-2. Hein, papier. J'ai gagné. 2-0. Allez, la dernière. Shifumi. Il attend. Bah, allez, t'as perdu. Double. Allez, double. Mais t'as pas joué. Salut mon petit Matt, merci pour ton resub de 2 mois, ça fait super plaisir d'avouer de cette fidélité. Merci beaucoup mon petit Matt, pour ta fidélité, vive la team Lapinou, dont tu fais partie, merci bien. Et vous ne mettez pas les doubles les gars, c'était une blague. C'est reçu, c'est pas double, hein. Normal. C'est reçu Lopez? Lopez. Parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde. Parle plus. On t'entend plus. Ah merde. Depuis tout à l'heure en fait. C'est mieux, là. Ah oui, bah là en fait depuis 10 secondes là. Ah ouais d'accord. Lopez c'est simple, c'est pas double hein, c'était une blague. Hein? Quoi? Bah oui. Hein. De quoi? J'ai pas entendu. Bien sûr. Non, tu les dragues pas, tu fais ton boulot. Bah oui, bah je sais bien, mais je suis pas. Non bah c'est bon là, parce que toi j'ai l'impression que t'emballes tout le monde. Ah ouais, moi là je joue à Midou, la dernière fois t'as bien lâché un mec parce que il a perdu à Shifumi. Ah non, bah non, il prend une double là. Ouais mais voilà, parce que là t'as dit que là t'as dit de pas lui mettre double justement. Ah non, ah ouais, bah je vais m'arrêter mais... Ah oui, parce que là nous on avait compris, justement on a compris que fallait pas lui mettre le double, j'étais en mode quoi? Mais il vient de perdre. Le double au final. Oui, là il doit prendre le double hein, il a perdu. Il faut lui dire. Toi tu te laisses arrêter sur le verre de... Il prend le double hein. Le casquette il prend les deux, il prend le double hein. Arrête tes conneries. Bien sûr que si. Shifumi. Ça me dérange pas si c'est pas trop. Oh, vous les assassinez pas les gars, c'est une blague les gars. Imagine toi tu mets double toi mais t'es malade. Et Polo. T'as pas la haine d'avoir perdu? Ouais non ça va hein. Ouais, moi, franchement, j'aurais l'aide. On va faire un truc. Un petit polo. Oh merde. Oh. Et un kebab, et on est quitte. Ouais. Ah ouais, vas-y. Hein. Ah, bah, ça rend du coup, toi, t'as fait. 6€. Et moi, je lui donne 5. 6€. Ça va, t'as fait 450 000. Hein. Oui, ok, ouais, bah, y'a pas de problème. Le 10 là, c'est 150. Hein. Bah, c'est pas grave. Je te redis que t'as des légales sur toi. Oh mais... ça fait 450 000 hein, l'amende. Bah x2, 800, ah 900 000. On s'est arrangé. Ah mais je l'ai mis vraiment x2. Non. Ok, si on donne un kebab, si on donne de quoi payer un kebab en plus, on n'a pas x2. Non les gars. Ah, ils jouent le jeu, ils rigolent, ils discutent, allez, soyez sympas avec eux. Ah oh non, mais je reste là, mais y'a pas un... Et Grizzly là. Non, remets les mains sur la tête, Et Grizzly. Un mec comme toi, j'ai croisé un mec comme toi hier soir. Tu sais comment il s'appelait? Non. Juste le blanc. Libéré, ou... Et tu sais comment il s'appelait? Juste le blanc. Oui, mais j'ai entendu. Et donc, du coup, je lui ai décidé de lui payer un verre. Et on a bu une bière tous les deux. Ah bon? Il dit, en fait, juste. Ça te dirait de boire un coup? Il fait ouais, je prendrais bien un coca. Je lui commande un coca, moi je prends une bière, deux boissons pétillantes. Et là on boit un coup, on trinque, on se connaissait pas, tu vois. Et il commence à me parler de sa vie. Mais sa vie était merveilleusement triste et remplie de suspense. Tu vois ce que c'est le suspense? Pas le suspense, hein, le suspense. Et du coup, après avoir bu un verre, il m'a emmené voir la tombe de sa femme. Et tu sais comment elle s'appelait, sa femme? Non. Juste.
C'est un truc de dingue. Deux justes qui se retrouvent pour en fait compte n'avoir rien juste dans la vie, étant donné que c'est séparé. T'as compris la blague ou pas? J'ai pas compris. Ben, c'est réfléchi. Et la prochaine fois qu'on se voit, je te reposerai la question. Mais normalement, on se verra pas. Allez, on se casse. Eh, j'ai pas encore traité le deuxième. Ah merde. Eh les gars, putain, vous êtes plusieurs là, Joe, là. Ouais, bah ouais, je suis tout seul. Putain, les gars, y en a qu'un qui bosse là-dedans, là. C'est pas normal, les gars. Franchement, c'est pas normal. Y'a pas toujours la jaquette qui doit bosser. Hein. Ah merde, j'ai plus mon truc. T'as retiré le télémètre et les chargeurs du gars? Ah, si. Arrêtez avec vos télémètres, les gars. Légal, hein? Ouais. Merde. Oh merde. Non, t'es mignon comme ça. J'aime bien quand tu couches devant moi. C'est un mec facile, toi, en fait. Bah, c'est pas ça. Carte d'identité, s'il te plaît. Oh, ça c'est que j'ai plus de machin. Hein. Je suis tout blanc comme neige, palapa, palapapa. Je suis vraiment blanc comme neige, palapa, palapapa. Je suis blanc comme caille, palapa, palapapa. Blanc comme neige, sauf que je suis tout bas. Je suis moche comme Boris, palapa, palapapa. Je suis moche comme Boris, palapa, palapapa. Et Mathieu, pourquoi tu rioles pas? T'es pas mal ça là. Salut poupée. Salut poupée. Salut poupée. T'entends pas. Oh putain, salut poupée. Salut, ça va? T'es venu boire un café hier soir avec mon pote là-bas apparemment? Non, quel pote? Bah, je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Ah non, moi j'ai bu un café. Bah si, celui qui rigole pas. C'est marrant. Ouais, vas-y. Monsieur avec qui t'as fait un Shifumi hier? Par cœur. Ouais, il veut refaire un Shifumi avec toi. Il est où? Je sais pas, attends, viens. Ils sont où les deux là? Où les autres? Ouais. T'avais pas dit que la prochaine fois que tu voyais Anthony Parker, tu le dégommerais? Si. Bah il est là. Ah bah ça tombe bien. Merci Octavia. Vous êtes qui? Il est là. Donc son espèce de Masada là, hop, ça saute. Et ouais. T'es prêt pour ma revanche ou quoi? Allez, moi je vais faire un Shifumi pour vous tous. Allez, c'est parti. Shifumi. Ah bah, je suis menotté. Venez. Ah putain, t'es menotté encore? Bah oui, mais je sais pas. Moi j'aimerais bien faire un petit Shifumi pour mon collègue. Je m'en occupe, il va. Parce qu'on l'a fait. C'est une caméra cachée en fait. Ouais, c'est bon. C'est une caméra cachée. Bah, faut attendre que... Alors vas-y, t'es libéré. T'es prêt? C'est quoi tu te démerdes, c'est pas mon problème. Tu m'as mis une prunelle hier, je m'en fous. Plus de cadeaux. 3, 2, 1, Shifumi. Allez, t'as rien fait. Ah, trop tard, un point pour moi. Shifumi. Putain, encore un Shifumi. Shifumi. J'ai gagné. 2-0 par cœur. Oh la vache, par cœur. Je suis en train de te la mettre là. Shifumi. Oh putain, il me la met 2-1. Putain. Oh la vache, putain, c'est ton. Shifumi. Je comprends pas ce qui se passe. Putain, deux partout. Merde. Dédé. Shifumi. Ouais, j'ai gagné. Putain, j'ai gagné. Bah, j'ai fait ciseaux. Non, j'ai fait ciseaux. Non, non. Il a fait la pierre, t'as fait le ciseau. Eh ouais. C'est toi que t'as perdu. Non mais c'est pas grave, t'as perdu, c'est triple 12. Quoi? Non, non, non,
Ah bah si, t'as, je t'ai dit c'est qui tout triple et tu m'as dit ok. Et t'as fait Shifumi. Bah, ah bah si, si, ah, si, si. Ah. Allez, vous lui mettez triple amende. Je t'ai promis que la prochaine fois, je vais le donner. Non mais, c'est des règles de... Ah, tu sais, les OJA, c'est toujours spécial. Ouais, faites-lui, faites-lui le truc normal, les gars, c'est sympa. Bon allez, Sierra, on dégage. Allez, Sierra, on dégage. J'ai parlé avec Thierry par SMS. Oh putain, Tony, c'est ton cul. Mais casse-toi, putain. Mais casse-toi. Mais casse-toi. Non, mais casse-toi. Non, mais je veux. Ta gueule. Oh là 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 là. Je suis colonel, putain, qu'est-ce que tu m'emmerdes des histoires de cul là. Putain, mais je m'en bats les couilles. Allez, on se casse là, allez, on se casse là, il me saoule l'autre avec ses histoires de fion là. On se barre. Ça me tue de rire. Tuche, on se casse. L'autre il veut m'emballer là. T'es dans ma caisse. Putain, c'est qui est là-dedans? T'es avec moi, mon chou, monsieur. Oh putain, mais. Moi je veux pas l'autre, hein. Ferme la voiture. Hop, je viens remonter les volets. On va quoi? Attends, on a perdu Jeff. De la moule. Comment ça, on a pas vu Jeff? Il a fait. Ah, comment non, c'est quoi? Il a eu un petit problème de cerveau. Ouais, il a eu. C'est bon, Matt, je viens de monter le son. Dans ma caisse. Et c'est quoi ta caisse? Octavia! 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 Monte dans la voiture. J'ai peur. Ouais, non. Ouais. Raconte-moi une histoire à me faire frémir. Une histoire? Mais je sais pas raconter des histoires. Bah, c'est pas grave, raconte-moi une histoire. Quel genre d'histoire? Bah, je sais pas. Une histoire où l'amour vaincra. Ferme la porte de la voiture. Il était une fois un homme qui s'appelait Casquette. Qui était follement amoureux d'une personne qui s'appelait Bibi. Oh et non. Dis pas de la merde comme ça. C'est pas de la merde, on m'a dit une histoire. Attends, ouf. En plus, c'est une histoire vraie en plus. Oh non, ouais, non, arrête tes conneries. Et c'est une histoire où entre. T'as bien, j'ai entendu dire qu'il y a 2-3 policiers qui à qui tu plais. À qui quoi? À qui tu plairais? Qui tu plais? Tu plais. Ah. Ton véhicule. Si tu préfères que tu les fais bander en fait. Ok. Qui? Je peux pas te dire, c'est un secret de colonel. Ouais. Mais j'ai investigué et. Tu peux pas me donner les noms? Non, je peux pas, c'est secret défense. Tu comprends bien que, au vu de ma place, non, quand même d'adjoint au général, je peux me permettre de faire des choses comme ça. Et. Je dois garder l'intégrité de mes hommes et de mes femmes. Ils sont dans quelle escouade? Ben, je pense qu'ils sont dans la tienne. Ouais. Donc le choix est limité. À toi de faire ton enquête. D'accord. Et c'est quoi son grade? Bah, il riole pas beaucoup en fait. Allez, Ben. Allez, Ben. Ah, Ben. Voilà. Il est pas dans mon escouade, lui. Bon. Oh, sur ce, Octavia, bonne patrouille. Attends, au revoir. Merci pour la station. Vous ferez attention, Casquette et Bibi, il y a des capotes encore dans le véhicule. Quoi? Oh, bah putain. Mais... C'est normal? C'est bientôt la journée des promotions. Oh de merde. Voyons ce qu'il y a. Attends, Jeff, il avait un problème de cerveau là. Il va revenir ou quoi? Bon, attends. On est combien là? Voilà. Ah, on est 3 sirs. Écoute. En tout cas. On attend d'aider. Bah non, on va y aller, on va pas attendre 15 ans. Nous rejoindrons, Pierre. Maintenant, célibataire. Je sais pas encore, mon petit merguez, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que, je sais pas. Non, j'ai envie de tester le live sur PlayStation 4, voir ce que ça donne, en fait.
Et t'as ouais, le truc qu'il faut avec Dédé? Moi, ça y est, ouais, j'ai lu aujourd'hui. T'as pris quoi? Hein? Bon. T'as pris quoi, une carte d'acquisition ou une... Ouais, non, une carte d'acquisition, ouais. J'ai pris la HD 760 Pro. Ah, bien, elle est bien. Ouais. Celle que j'avais quand j'étais joueur pro. Contrôler ce camion. En quoi? On contrôlait ce camion. Il revient de la mine. Sûr? Bah oui. On a le passage en terre là? La mine? Bah non. Alors? Je sais pas, comme vous voulez. Contrôle rebelle. Contrôle rebelle. Contrôle rebelle, let's go. Ouais, ma petite, mon petit Ryan. C'est la. Regarde, j'ai eu ça dans, le... dans un coffret PS4 Pro Spider-Man. Que j'ai installé à mon gamin cet après-midi. Et du coup, il y avait ça dedans. Il a mis qui est ça? Oula, oula. Qu'est-ce que tu fais avec ça dedans, toi? T'es un fou, toi? Tu vas farmer de l'or avec ça, toi? Bah, écoute. Mais t'es fou. T'as quoi dans ton camion, là? Bah, j'ai quelques trucs. C'est quoi, quelques trucs? C'est quoi, quelques trucs? J'ai de la... Non, comment ça s'appelle? De Bibi pour les unités au fort. J'écoute. Des cristals. Des cristals de mètre? On a un camion... Putain, déjà transformé? Un de drogue avec un pack dedans, un camion noir. Mais t'es tout seul à faire ça? Ouais, c'est très 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 long. Ah ouais. T'imagines si tu tombes sur la police? Bah écoute... Ah ouais, bah faire gaffe. T'es quoi, t'es rebelle toi? Se placer dessus, hein. Ouais, bah depuis peu en plus. On a interpellé le deuxième camion, Pax dedans. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, tu vas me filer les clés de ton camion. Okay, je vais vérifier, je t'ai pas dit que je vais te braquer, hein. J'ai dit que je vais regarder. Ok? Ouais, ouais, ça marche. Dis à ta radio là qu'on te fait pas de mal. Dis à, ton, voilà, dis à tes copains qu'on te fait pas de mal, t'inquiète. Ouais, ouais, ça marche. Mais dis-leur à la radio là. Parce qu'ils sont en train de se placer et s'ils se placent, ça va pas me le faire parce que j'ai mes copains autour aussi, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi ils sont en train de se placer? Je suis tout seul. Bah non, t'as un autre copain là-bas avec un autre camion. Ah oui, non mais lui il est pas armé. Ah ouais, d'accord. Bon, regarde, mon copain il va allumer la voiture. Tu vois? Ouais. Et tu vas écouter. Allume la voiture. Écoute bien le moteur. C'est un V8 turbo de chez Audi. Écoute. Je sais, j'ai jamais. Tu sais chanter ou pas? Est-ce que tu sais chanter? C'est quoi ton nom d'ailleurs? Corse Zouk, vous voulez ma carte? Ah, tu Zouk! Tu Zouk! Zouk, Zouk, ouais. Zouk. Allez, je Zouk à gauche, je Zouk à droite. Je Zouk à gauche, je Zouk à droite. Allez, vas-y avec moi, Zouk! Je Zouk à gauche, je Zouk à droite. Je Zouk à gauche. Bon. Tu travailles pour une entreprise ou pas? Ou tu travailles que pour toi? Non, pas du tout. Bon. Vas-y, écoute. Tu transmets en ligne que le deuxième camion n'est pas armé. Et Bibi? Bibi? Appuie sur le bouton de la musique. Bibi? Bibi? Appuie sur le bouton de la musique. Appuie sur le bouton de la musique. La voiture. Il va zouker. C'est Zouk. Il va zouker. Attends, attends. Tu fais exprès ou? C'est là que tu veux? Mais non, pas ça. Hein. Oh là là, je suis fait ici. Regarde. T'as bien ma musique? J'ai fait un port d'équipement illégal. T'aimes bien ma musique ou pas? Non, c'est pas bien. Ah, bon, je suis désolé, fiston. C'est la police. La police avec des armes illégales? Non. Des armes de la police. Daisy, je te laisse me donner le hein quai du camion, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Un peu bon. Ouais. Je suis désolé, hein, mon petit Zouk. Hein. Vous pourriez juste mettre le camion en fourrière? Non, ça marche pas comme ça. On va l'emmener, on va le saisir. Oui, non, enfin le saisir, mais genre, je l'aurai toujours. Oui, t'inquiète pas, tu le retrouves. Mais franchement, ça m'embête pour toi quand même. Ah mais là je dois racheter un camion. Pourquoi tu fais de l'illégal comme ça? Avec une arme en plus.
T'as besoin de thunes ? Je travaille dans les entreprises, on me braque, on me vole le camion. Ah, je fais du platine, on me braque. Je vais faire un autre truc, du diamant, on me rebraque. Je vais faire de l'or, on me rebraque. En fait, on braque tout le temps, en fait. Bah oui. Bah, mais c'est pas normal. Les gens, ils viennent, ils font vous détruire Altis. Ah ! Nous détruire Altis. Ouais, c'est des rebelles, ils font une vidéo. Vous détruire Altis, pas bien pour la société. Vous pouvez vérifier vers la Diamante Compagnie. Et du coup, ils vous tuent. Ouais, du coup, ils me prennent un truc de page. Ça part et tout, à la fin, ils me tuent. Tu t'es déjà fait prendre par la police comme ça, avec de la drogue ? Non, du tout. À gauche, Bibi. Va au garage. Bon garage, Bibi. Alex, tu déposes le camion au fort, nous on va au garage à Dorida. Va au garage à Dorida. Ouais, ok. Ouais. Bon, mon petit Zouk. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je t'explique. Je vais t'expliquer un petit truc. Ouais. Pas de casier judiciaire. T'es quelqu'un qui est un petit peu victime de ce qu'il fait, en fait. Donc moi, je vais être gentil avec toi cette fois-ci. Parce que moi, je vais me permettre de pouvoir faire ça. Ah, fille. Tu vois ce que je veux dire, mon petit Zouk ? Alors, tu vas me faire une petite promesse. Ouais. Tu vas aller à la LCO. On au niveau de Pyrgos après, hein. Il va falloir qu'on y aille. C'est cool, ça. À la LCO, c'est l'entreprise d'or. Ouais. Ok ? Ouais. Tu dis que tu viens de la part de Dédé. Ok. Tu leur demandes qu'ils te trouvent un travail. Pour le Ifrit Pyrgos ? Ouais. Ok. Quand il y aura à t'embaucher, tu me promets de plus jamais faire de l'illégal. Okay, d'accord ? Là, je t'ai emmené devant un garage, t'as juste une voiture à récupérer, je garde ton camion. Tu le récupéreras demain matin à la fourrière. T'as compris ? Ok, ça marche. T'auras pas de casier judiciaire, t'as pas de poursuite judiciaire, t'as rien. La diamante. Ok ? Et je te promets que j'y vais aller voir le directeur général, hein, pour savoir si t'es passé demander du travail. Ok. On fait comme ça ? Je demande juste d'être employé ou de travailler pour... Tu vas voir le directeur général, tu demandes qu'il te trouve un job à la LCO. Tu vas travailler pour eux, tu vas faire une carrière là-dedans. Et je ne veux plus jamais te voir faire de l'illégal. T'as compris ? Ouais. Allez, file, Zouk, va te chercher une voiture, il va directement là-bas te trouver un job. Ok, mais ils sont fermés. Eh ben, t'iras demain. Ok. On fait comme ça ? Parce que c'est pas pour toi l'illégal, mon petit Zouk. Ok, ça marche. Ok ? Bah, les films, ouais, cours ! Cours ! Et tu pourras dire merci Dédé. On dit comment ? Merci qui ? Merci Dédé. Voilà. Allez, bonne journée. Sur les frites, au minimum 7 packs sur zone. Reçu. Transmet. J'arrive sur toi en VL. C'est bon, le camion est saisi. Vous avez déposé le mec ? Affirmatif. Ok, go sur. On a un Ifrit avec des packs au niveau de Pyrgos. Merci. Tu veux que je monte avec toi ou tu veux que je reste solo dans mon VL ? Comme tu veux. T'es tout seul quoi, c'est ça qui m'emmerde. Je monte avec vous. Ouais. Oh, ça va. Faut passer canal 1. Pour tous, on a un véhicule qui rentre dans la BR, dans la BP, pardon. Il y a quoi d'engager Vector sur le mail ? Non, le mec il fait du légal, il se fait braquer. Le mec il fait tout ce qu'il peut, il se fait braquer. Le mec il fait de l'illégal, il tombe sur nous. Le mec il a pas de bol, le mec il va être dégoûté. Donc, je sais que mort taxi, je sais que monsieur le directeur général va être gentil avec cet homme-là et va lui trouver un travail dans son entreprise. C'est quoi le numéro de la LCO déjà ? 69. Hein ? 69, comme la position. On n'a pas un bon visu. Le raptor a cassé à côté de vous, les gars. On a un bon visu là ? Okay. Oh, j'ai envoyé un message. Ouais ! Vous avez un véhicule là à gauche actuellement du CPR qui vient sur route principale. T'es code noir ou pas ? Il va bientôt être devant vous. T'es code noir ? Non. Encore, pas encore. Lucien.
Ils sont juste en face là, tu les vois ? Sur la route ? Ah ouais. Ouais. Ils sont à distance 1900 mètres. Oh mais putain, mais c'est énorme ! Ah ouais, mais bon, ils ont bougé aussi. 1900 mètres ? Donc on bouge ? On bouge si tu veux. 1900 ? Ouais, 1900. Mais c'est énorme, 1900. Vous avez besoin d'aide. Bali. Info Bali. Bouge ou pas ? Actuellement sur négociation sur Alpha, sur négociation, besoin de renfort sur zone immédiate. On est en pasté, c'est bon. Tu peux vitrine, on peut vitrine le Lifrit là. Hein. 3 personnes dans Lifrit. 3 packs confirmés dans Lifrit. Oh, attention, il y a un L4 aussi. Hein. L4. Les gars, je veux pas être méchant, mais c'est trop loin, 1900 mètres. Ok, vas-y, on se casse. C'est le temps que la cartouche. Le temps que la cartouche elle arrive, ils sont bougés. Ils ont pas l'air de réparer pour le moment le Raptor. Vas-y, on va se placer. Il répare. Ils vont commencer à réparer. Attention, là, il arrive d'avoir que de noir. Ils commencent à réparer. Attention. Ah. Il a dit qu'il y avait un risque d'avoir code noir. Donc, code noir, il a dit ? Non, a dit, risque. Ok, ok. Pour le moment, Hummingbird en vol, c'est ça, qui est en train de descendre au niveau du garage de Piavos. Le là, on a vraiment besoin de renfort. C'est sur Echo, sur le mien. Il a supprimé. Tout ça. Ils ont un VL sur eux là. Qui ? Code noir. Tata. Casse-moi. Ifrit. Ouais, bonne faillite. T'es cassé ? J'entends un VL là. Ouais. T'es ouais. Cassé ? Ouais. Ouais, j'ai cassé sur un petit un plante de merde là. Ouais. Ah, mets-toi dans un creux là, ou je sais pas où là. Juste en haut là. Ouais, c'est bon. Ouais. Toi derrière la montagne. Plus d'aider normalement, tu devrais avoir un visu là. On est bon. T'as un gars à côté de toi, Ivar. Je tire le véhicule. Visa le véhicule. Fille, leur véhicule à eux. Info, tir de TE. Echo, c'est vous les TE? Mec, je pense que ça vient de chez nous, ça vient de Cobra 4. Tous les personnels sont à terre derrière le véhicule. Info, je suis revenu au secteur, vous avez des blessés. Négatif, on n'a que des packs. Info sur des véhicules potentiellement en fuite sur des. J'ai le col, je crois qu'il en met. Il est comme chez Doc, on a besoin d'une extraction pour les packs. Sekdar, à l'étage de mon bâtiment. Deux mallettes. Le Raptor est deux. Mais on se rapproche de la ville. Quel blessé là, celui qui est à côté. Attends, ouais, bah bon, d'aller, ça pas. Allez, Dédé, on est tous là. Ouais! Vous pouvez y aller. Mais allez-y, prudemment. Par contre, Dédé, ça fait deux. Allez-y, je suppresse le bâtiment. Les scorpions, les. J'ai pas compris. On reçoit des tirs, par contre. Les scorpions, tout à l'heure, ils ont fait un on les a défoncés. Quel bâtiment tu peux mettre un point? En 12 VZ. Ah, c'est le bâtiment qui est vraiment sur Nego, quoi. Ah, oui. Ah, le truc c'est que là tu t'es mis devant, c'est vraiment le bâtiment qui est en face de toi en fait. C'était un point de carte, s'il vous plaît, entourez le bâtiment s'il vous plaît. Le bâtiment Sekdar. Non. Mettez-moi des points de carte du colonel. Merci. Ivar, j'ai ma Konagan qui est au sol. Mets-moi en commun. Je suis sûr, et je parle ou vous m'entendez pas? C'est bon, j'ai mis. Pour des shoots là. Ouais. Je me suis fait toucher. Dédé, t'es encore là? Oui. Ça va? Ok, on est planqué. Oui, on est planqué, mais. Je te soigne, continue à rouler. Fumigène, parle. Mais je suis pas bien, que vous pouvez me soigner ou quoi? Non, t'inquiète, t'as pas de soigner. On s'est fait tirer dessus dans des bâtiments. Pax, en, zone entourée en noir, Pax. Pourquoi? C'est reçu? C'est reçu. Ok. Travaillez intelligemment, les gars. Vous vous posez, vous observez, vous placez un point pour les autres, vous préparez, vous asseyez ou vous tirez, ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Pensez aux autres. De Cobra 4, je suis dans la merde, je suis tout seul, mes deux collègues sont fait mal.
Position. Valise. En fait, ils se mettent en sniper, mais ils ont pas de réflexe. Ils sont fait TE. Il y a des TE, les gars, faites gaffe. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un check sur les tours armées? Pour information, PMA Forest. Aussi. En face, là, sur la tour armée, il y a des gens ou quoi? Ouais, je sais pas. On va checker du coup. Ça, on se place un TE au cas où. 110 DD. Ouais. Transmet, je suis en train de regarder s'il y a porté derrière, attends. Ivar, j'ai besoin d'une extraction là, je suis tout seul. Ok, ça m'a l'air d'être clean. Ok, c'est clean, c'est clean. Ivar, pour une unité de ça, j'ai besoin d'une extraction, je suis tout seul et j'entends encore des tirs sur ma position. Balise, les gars. Pourquoi ils activent pas leur putain de balise? De fou. Lord Raptor en face de toi, Ivar. Ivar de Leblanc monte. Il se dirige vers le cercle noir, il se dirige vers le cercle noir. Info sur la radio. Attends. Là code noir, Pyrgos, Pax, sable. TE dans les environs, Pax, zone noire. Affiche, je les ai en visu, ne tire plus, je vais les tuer. Voilà. Ok, j'ai un Pax, DD. Ouais. Attends, j'arrive. Ok, j'ai deux Pax, DD, DD, DD. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y. Mute 40. Derrière le mur, il y a deux Pax. Azimut 40, combien de mètres? 645. Non, 300. Mais c'est quoi ce merdier? Ma fille de la merde. Il y a leur voiture qui est en azimut 41. Ouais. Pas bien estimer la distance parce qu'il y a des trucs devant. Ça doit être 650 mètres à peu près. 650 mètres, ok. Attends, il faut que je passe le point info. Pas possible. Je vois pas le véhicule déjà. Il y a le hangar pété. Il y a la barrière la bleue. 41 derrière le muret. Là-bas. Dans la maison? Ouais, ouais, vu. C'est bon, j'ai vu. La maison avec les murets autour. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Tu vois? Là-bas, il y a deux packs. Il y en a un en guilu et de un CPR, on doit les poser d'urgence au fort, réparation. Il est où le pack? Je vois pas. Sachez qu'on nous sommes actuellement en poursuite avec un de leurs hélicoptères. Dans le véhicule? Attends, il faut que je mette les points, là. Ouais, je monte sur le toit parce que là, je vois rien. Où exactement c'est? Scott pour Lacoste, t'as le canal 3 additionnel. Affi. Il est parti le pick-up. La meilleure visu d'ici? Ouais. Non, il y a en haut aussi. Hein, hein? Il y a au-dessus. Hein. Ouais, il y a au-dessus. Hein. Ouais, bon. Ouais, c'est un peu à gauche hein, quand même. Ah ouais, c'est bon, j'ai un visuel là-bas. Multipax marqué à côté de vous, Ivar. Affirmatif, on va sur zone, on va aller voir. C'est bon, j'ai. T'as, tu vois le véhicule? Négatif. On se fait shoot. Azimut 41. Une voiture noire, une Audi noire. Avec un bâtiment cassé. Ah merde. J'ai un Pax azimut 52. Regarde, piétine. Vite. 639. Combien? Ah non. 52? Ouais. À peu près où? Ah non, ils discutent. Non, mais ils discutent. Non, non, c'est pas eux. Ok. Pas grave. Azimut. Azimut 40, le véhicule. Ça vient derrière toi du bas. Ouais. Combien? 150 mètres le véhicule. 840. C'est bon. Okay. Ils sont dans la maison. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ok, à tous, ils sont dans la maison avec le véhicule noir devant.
trois unités près de la maison multipack. Je vais vous guider. Il y en aurait un au rez-de-chaussée ou deux et un à l'étage. Donc, considérez qu'il y en a minimum trois dans la maison, d'accord? C'est une maison endommagée, donc vous pouvez l'encercler. Il y a des... beaucoup d'ouvertures. À deux doigts, je vais fumer les civils. Les gars, vous procédez par étapes. Bouclier devant, accroupi, vous debout et en appui. Regarde énormément vers ma direction. Un à l'étage, il y en a un à l'étage avec Gilly encore. Et il y en a un peut-être rez-de-chaussée. Il va vous couvrir là, il vous attend aux escaliers. Peut-être encore un anti-TE. Ah, il y a encore un TE. T'as un collègue commun au rez-de-chaussée, t'as encore un pax au rez-de-chaussée. Afi, dans la petite pièce, il arrive près des escaliers, cover. Il est en face des escaliers. Aidez, Azimut 81, il y a un véhicule. C'est pas un véhicule. Afou, t'es toujours vivant. 80. Ok, Azimut 79, il y a deux packs TE. Azimut 79, 1123 mètres. On a énormément de shoot sur la position. 99 79, Azimut 79, Dédé. Ouais, vu. Ah, oh, ok, mais vu. Combien de mètres? 1125 mètres, celui de droite. 1125 mètres. De Cobra Force, on va se diriger vers. Abattu, un. Oh, putain, je l'ai pas eu. 1126 mètres, l'autre. Ah si, mur, c'est bon. Forest, est-ce que tu me reçois? Ok, il y a encore l'autre derrière. Encore un, hein. 115 mètres. Tu vois ou pas? J'ai l'hélico. Ok, il vu. Il a droite de son collègue, là. Il a droite de son collègue. 120 mètres, exactement. Il est caché ou quoi? Ouais, il est caché. C'est le bug, enfin... C'est une défaillance, en fait. Ok. Attends. Où exactement, en fait? Okay, là. De Dumas pour tous, demande d'extraction d'urgence sur ma position. Ok, là, je vais l'avoir. Normalement, il y a encore un PAX de Syrah en vie, sur le point PAX TE que j'ai mis. Il y a encore un TE qu'on essaie d'avoir. Dumas, c'est bon, j'ai eu. Ah non, tu l'as pas eu, Dédé. Ah bah si, c'est sûr. Ah non, Jumas, CPA lead. Vas-y, mute 4. Notre couverture de CPA, L4 est en train de nous tirer du camp pas possible. Okay, je l'ai. Le PAX TE a été abattu, le sien. J'ai un L4 qui arrive sur moi. Hein. Devant moi, en face. Dans moi, l'L4, le L4. 686 mètres. Yacht 686. Putain. Putain, j'ai presque eu le... J'ai tiré dans la vitre. Putain. CPA de Syrah, vous avez un L4 blanc avec deux packs et un tir. Pour formation, vous avez également un L4 là, ouais, au-dessus de la première des goals. En vrai, j'ai de bons yeux. J'ai de bons yeux. Ah, franchement, ouais, un bon contre-tir. On va bouger, les gars. Vas-y, on se casse. On se casse. Est-ce que t'es là? L4 il est en stat. Aidez, L4 il est en stat. Où ça? Distance? Ah, il est vu. Distance? 780 mètres. Combien? 780. Abattu, tireur. Et le tireur aussi. Et j'ai abattu les deux. L4 neutral, les gars. Je suis chaud, pas le temps. Tu peux descendre au bas, moi là? Putain, je suis chaud là ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je trouve pas. Ah, il se casse. Il est sur toi là. Non. Il était comment le tireur? T'as eu que le tireur. Ah, je croyais que j'avais. Putain, je suis chaud, patate. Le tireur, il reste encore le pilote. Dumas, tu vas bien? Putain, je suis enflammé. Non, il a dû se faire abattre par l'L4 aussi. Ouais, tu vois. Bon, allez, on bouge. Ah, désolé. C'est pas grave. Bon, bah écoute, je suis chaud patate ce soir. Tire pour Sector. Non, c'est pas grave. Non, chaque coup, je suis contre. Sector commun aussi, je pense. Contre tirant. Ouais, bah. Pour une fois que je suis chaud patate, les gars, d'habitude, c'est moi qui me prends une cartouche dans la balle. Ouais, bah les gars, c'est comme ça. Hein? On a le droit aussi de faire de la merde. Ça y est, parce qu'on fait pas un one shot. Je suis pas Johan, moi. Je suis pas Antoine et je suis pas Théo Santos. C'est Sabastano, pardon. Fais gaffe, il y a encore un mec, j'ai été mis comme à. Chacun son niveau.
point rouge, c'est où là? Pour la zone, mais j'étais mis. Ok, c'est juste au-dessus. Nous, on va se placer juste au-dessus. C'est où? Dédé, t'es prêt? La cosse couvre l'entrée de la maison. Je pense pas. Le point rouge, quoi? Dédé, t'es prêt? Sur le point rouge, là, on va se placer et tu vas tirer sur le point rouge. Quel point rouge? Il y en a deux, il y a IC et EXT. EXT, 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 EXT. EXT. Qui en est placé, Dédé? J'ai ma distance. Vos points rouges, c'est 600, 660 mètres. 700 mètres, 700 mètres. Pile 700 100 mètres, pile. Mais il est dans la maison, on est bien d'accord? Ma fille. Dans la maison blanche ou dans la maison en construction? Maison en construction, je pense. Scott, on aurait besoin d'infos de où tu te fais tirer dessus. Une zone rouge et noire. Oh, elle est entrée trois fois. C'est PA LED pour tous, on a abattu le raid carminé. Y'a aucun visu là. C'est bien pris. Et c'est bon, j'ai vu. C'est bon. Voilà. Ok. 670 hein. 670, hein là où... 670 là où tu tirais. Non, c'est bon. J'aurais mieux fait d'attendre. Je suis trop pressé. Vous voulez qu'on. Le boubou lui? Non, regarde. Ok. Non, c'est bon, il est mort. Oh putain. Oh, mais putain. La balle, elle a ricoche. Je crois qu'on se fait TE peut-être. Attends. Ah, neg, c'est pas TE. J'ai entendu un tiers de plus. J'ai sauté de Scott, je fais le tour. Combien tu m'as dit? 600 66. Ouais. Test long, on me reçoit? Fille. Arrête de bouger. À go. Ok, 660, 660. Ah putain, au moment où je tire. Vas-y, tire. Ah, je fais que ça. Putain. Le mec, il a la bougeotte en fait, c'est normal. J'ai rien compris en plus. Hein. Ah, c'est pas grave. Ok, à tous de DD, effectivement, Pax sur point X, hein, un premier étage. Allez, allez, encore, DD. Ah, attends, il bouge, je vais rien faire. Là, si je le chope, c'est un miracle. C'est quoi, je vais... J'ai reçu. Vous avez changé de CPR. Ah, c'est bon, j'ai eu. De ses pas, il reste qu'il a encore actif au sol. Ah, mais tu crois? Lacoste et Scott. Non, il bouge encore. Hein, vous êtes en position délicate ou pas? Oui, particulièrement délicate, il y a un mec qui me tire dessus. Pax touché normalement. Ok, on peut progresser. Mais attention, hein, c'est pas sûr. Hein. Parce que je l'ai touché, il est rentré dans la maison. On est en train de progresser en tiroir avec Lacoste vers la maison. La maison passe en dessous là. Ah, fille, ah, carcasse. Oh putain, tu m'as fait peur. Bon, je confirme, il est pas mort, hein. Il est toujours actif. Je le spray, je le spray. Ouais. Allez, Afi, on cover les gars. On suppresse le bâtiment. Putain, je l'ai mis je lui ai mis une balle de M300 là, comme ça. Celle qui est cassée ou celle qui est. Cassée. Affi, passe à là les gars, voilà l'autre là. C'est là. Il est premier étage normalement. Je suis derrière toi la costo. Attends avant de rentrer, attends, et toi. Ok, je te suis. Il est rez-de-chaussée. Tu le vois? Entre un visu. Salle de droite. Premier étage, salle de droite. Ah non, rez-de-chaussée. Il y en a qui est tombé. Étage pour les unités dans la maison. Ok, on a les deux collègues au sol. Confirmé? Ça a l'air d'être le cas, oui. Bon allez, je veux une autre colonne d'assaut. Je veux des renforts là-dessus, là, vite. Recule-toi, soigne-toi. Ils font quoi? Le mec est fort, hein. Affi. Ok, TCP, on s'est posé sur le toit, deux unités, on va tenter de faire quelque chose. Les renforts, vous êtes là dans combien de temps? Pas de renforts. C'est nous les dernières unités, les gars. Il reste que lui comme mec? Affi. Faut pas
pas lui demander de se rendre à ce monsieur? Coma, c'est bon. Si, c'est bon, c'est coma. Voilà, bien joué les gars. On bouge. Tu me notes ça, Kowalski? Allez, de Serra, on bouge. Au cas où on est visible. Et je lui ai mis une balle d'M3. On est d'accord? J'ai touché. CPA, check thermique de la zone, demandez s'il vous plaît. En tout cas, il a pas bon, chef. Putain. Putain. Moi, je l'ai vu continuer de courir, donc. Vraiment, je m'entraîne au TE20, putain. De Scott, on vient d'extraire de la coste. Ah, si, on a besoin d'une extraction d'urgence là. J'arrive. Un peu sur leur position. On va avoir besoin de médecin de combat là. Ok, ouais, j'arrive. Je me mets à la sortie de la maison. Putain, mais. Le quoi, si, il vous ramène le pack, c'est gars. Joker, je montrerai avec toi, je suis médecin de combat. Ouais, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Profitez du truc, c'est bien. Je suis posé. On arrive là, je suis en train de le prendre sur les deux épaules. Je sais pas qui c'est. CP, on extrait tout le monde sur zone. Donc reçu, dès que vous. Les derniers sera parti, il me le dit. N'oubliez pas les gars, je suis le premier sur le champ de bataille, le dernier à partir. Il est mal à tout. Putain, mais qu'est-ce qu'il s'est barré? Il est barré? Barré où? Il est bon. Barré où? Il n'y a pas de radio lui? Il s'est barré avec l'hélico. C'est bien, on va soigner la coste terminée. Je suis. Allez, on va. Bonjour. Yep. On pourra dire que t'en as vidé des chargeurs là. Putain, top voisin, t'es sur zone. Okay. Transmet. Écoute, il n'y a pas de quantité qui compte. C'est là. On vous ramène un blessé. Il y a pris. Oui, bien sûr. Merde, qu'est-ce que je demande? Choper le nom. Vous l'emmenez en hélico là? Ah, fille. Encore Jordan Bûcheron? Ouais, c'est ça. Encore Jordan Bûcheron, lui, non. Jordan Bûcheron? Ouais. Enchaîne lui. Hein. Est-ce qu'on a encore des blessés sur zone? C'est bon, on a des blessés sur zone. Non, tu peux leur dire de. A tous de colonel, on quitte les lieux. Bien fait, merci beaucoup. Ah, bonne mission. Ouais. Ouais, mais au final, je passe ma forme ATE. Je suis meilleur en. Enfin, je suis pas meilleur, mais. Non, après, moi, ça facilite le. Contre-tireur, Jeff. Dis-toi, Jeff, avec moi, il a aussi abattu un tireur d'L4. Comme quoi, la chance. Porte chance. C'est ça. Non, mais moi, je dis toujours, un TE, il y a toujours un contre-tireur. Après, si t'es un contre-tireur qui regarde juste la zone, moi, j'ai regardé parce que tout à l'heure, il y a Cobra 4 qui s'est fait tuer par des TE, donc. Comme quoi, il y avait bien deux TE. Bah oui. T'es là. Bon, on est meilleur TE que. Ou pas. On a des meilleurs spotters, c'est pas pareil. Il se déplace, il arrive. Après, tu les as battus. Hein. C'est parce que. Puis au moment où tu m'appelais, c'était trop tard. Hein. Je demande à toi, Abdel. Ouais, si tu veux. Voilà, t'es rentré, t'es parti comment toi? Défib. Toi? T'es parti comment toi? Ouais, défib, vas-y. J'ai foncé dans l'hélico pour, parce que je suis médecin de combat. Pour non, t'as fait, non mais t'as bien fait. Voilà. Je t'engueule pas. Hein. T'as mec, t'as miraculé toi. Hein? Une épi. Oh putain. Et puis une petite Red Bull. Si vous voulez. Ouais. Voilà, efficace la paix. Monsieur, vous rappelez
parler de tout ce qui s'est passé, vous vous rappelez de ce qui vous êtes. Les médecins de combat ont encore fait leur taf. Allez, on range les bagnoles, les gars, on prend un hélico direction Kavala après. Merci. Kavala ? Ouais. Rangez les bagnoles, rangez votre équipement, hein? Mais bon, c'est mieux sorti, enfin, pas mieux sorti, mais je veux dire... Non, mais c'est propre. Ouais, mais c'est propre. Ça commence à être propre. Après, pour certains, beaucoup, vu qu'il y a eu le moment de... c'est leur premier combat... On est combien en tout, là? On est 7, peut-être? Ah non, il y en a... On est une dizaine. Une dizaine? Ouais. Moi, je suis sorti un ghost up. Pour rentrer la voiture. L'hélico, quand même. C'est bon. Je pense pas qu'il y aura assez de place. Je vais prendre un huron, voilà. Ouais, un huron, c'est parfait. Attention. Oh, c'est parfait. Wow. Le machin. Allez, tout le monde en vol. Cobra, vous avez encore un homme qui est en train de se faire soigner. De doc pour sécu pour info, la PMA est terminée. Ah, fille, il est entre deux bonnes mains, je pense. Voilà, il peut vous rejoindre là. Ah là là, sacré PMA. Alors, moi je parie que je me crash avant de partir de. Non. Et non. T'as le pilote ? Non, moi je suis en copilote, je vais l'aider. Pas de déverrouiller au cas où. Montez ou pas? Il en reste deux là-bas. Ah, si vous voulez décoller, allez-y, on va le prendre avec nous sinon. La sécurité civile, elle reste? On va peut-être la ouvrir du coup. Ouais. Non, partir. Tu fais quoi, Lacoste? Lacoste? Que la sécu du fort et CP en école. Et pour le coup, c'est pas que tu fais pas sur les dégâts. Rien à voir. J'ai essayé de trouver au bas mot, mais il y a eu un souci. Il y a eu un mec d'attention de 0. Non, mais il y a eu un gros souci sur la route. Ouais. Mais ouais, sauf que ça l'a pas concerné. Alors, il a été fait. Dédé, j'ai une question. Tu vas voir si je suis passé au bas mot. Ouais. C'est où, Dédé? C'est derrière Kavala. Ouais, je sais. Derrière Kavala. Je sais. Ça te dérange que je fasse un tour? C'était pour voir si tu suivais. Allez, go, 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 go. Non, j'ai pas. C'est combien ce truc environ? Une dizaine, non? Une douzaine, ouais. Arrêtez de parler de ça, les gars. Oh, on a fait notre job. Bon. Qui s'y frotte, s'y pique. Nous défend, on s'y pique aussi. Hein. N'oubliez pas. Et ouais. On est policiers. On va sauver des vies, on ne veut pas les enlever. Enfin, ça dépend pour qui. Je vais mettre super mode pour que je puisse régler le bot. C'est ma raconte. D, t'appelles quoi? Après? On va à BA? Non, on va à Kavala. Bien pris. Et D, il a fait le gars encore. Allez, on se crache. Il y a un bateau là.
Il y a des camions. On vient plus souvent sur cette île, je sais pas ce qu'il y a ici, là, pour qu'il y ait des camions. Hein, mais... On a 11 pertes. Beaucoup, les gars. Bon, en fait, vous avez encore des petits problèmes de placement de plantes. Vous n'avez pas l'automatisme encore de placer des plantes. Une zone. Juste une zone, ça suffit. On est dans l'eau, on arrive. Oui, entre soi. Putain, on peut sauter à l'eau. Tiens, voilà, ça fait juste, ça fait de l'effet. Les trains. Vas-y, sérieux? C'est le Huron. Je crois qu'il a pas aimé en fait. Allez, les gars, beau rappel? Non. Quoi? Allez, allez! Beau rappel, les gars! Regardez tous l'eau. Et vous courez dans l'eau. Attends, je sautez pas. Je vais aller dans l'eau. Vous sautez tous dans l'eau, allez. Comment oh, il fait sauter. On va le skier, je reviens dans l'eau. On voulait essayer de pousser quelqu'un. Je suis pas encore bien repris. Je les laisse faire. Pourquoi vous les faites sauter? Je les fais sauter parce que depuis tout à l'heure, ils font des bêtises. Ah ouais. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Allez, mettez-vous en ligne, là, ça ira bien.
Mais pas là, c'est pas trop formel vu l'heure. Allez, mettez-vous en ligne les gars là. Ils abattent les gens en ligne. Oh bordel. Un j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Ouais, c'est comment ils appellent ça avec les nazis là. Jamais commandé. Fusil. Bon. Je suis content de vous les gars. Bon, je vous emmerde. Super, il est où Joker? Joker. Bon, moi je vous emmerde. Vous m'entendez là ou quoi? Oui. Bon, apparemment d'autres s'en foutent. Bon les gars, je tenais quand même à dire que vous faites des progrès, ça me fait plaisir. Parce que je parle pas pour rien le jeudi soir apparemment. J'ai passé le mot à certains d'entre vous de ce que je pense de eux. Il y en a avec qui je vois un bel avenir dans la police. Si je suis con avec vous les gars, faut le savoir. C'est pas pour être chiant, c'est pas parce que je vous aime pas personnellement, c'est pas parce que j'ai un problème avec vous. C'est j'ai envie de faire de vous un putain de groupe dans cette institution en fait. Je veux que vous soyez tous des putains de policiers de la baie, quoi. Pour que quand on vous voit dehors, on dise « Waouh, ça jette ». J'ai pas envie de vous me dire, entendre dire « Waouh, ils font de la merde ». Ça, j'ai pas envie, quoi. J'ai envie de dire « Waouh, ça jette ». Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc des fois, je parais dur, mais je suis gentil. Pour ceux qui me connaissent bien, ils savent comment je suis. Je suis pas un enculé. Je suis loin d'être un enculé. D'accord? Bref, je suis content de vous. Vous êtes sur la bonne voie. J'espère que vous allez continuer dans cette voie de la sagesse. Quoi? Je crois que je me sens pas très bien. Ah ouais? Ah bah, saute dans l'eau. C'est la voie de la sagesse. J'ai des flashs blancs. Ça fait toujours ça quand je te parle la première fois. Oh, excusez-moi. Ah, t'as bien. J'ai failli. Fais mettre ma vie. Parce que je te fais de l'effet en fait. Quand on passe pour là, quand même. Voilà, bon, je suis content de vous, les gars. Les jeunes, prenez exemple sur les anciens. Les anciens, faites de vous des exemples aux jeunes. C'est aussi simple que ça. Les gradés, vous avez un avenir ou pas. Si vous voulez pas d'avenir, faites le savoir et vous resterez où vous êtes. Pour ceux qui veulent de l'avenir, c'est simple. Vous avez de la place. Je suis pas chiant. Je vous mettrai tous en test un jour ou l'autre. Vous y avez tous droit. D'accord, j'entends. D'accord. Ouais. Par contre, tu vas bientôt sentir ma main, ta gueule. Et. Et du coup, voilà. Bon, allez, prenez votre fin de service, reposez-vous, buvez une bière, sortez en boîte, rencontrez des nanas, rencontrez des mecs, faites ce que vous voulez. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée de service. Félicitations à vous, vous avez bien bossé aujourd'hui. Merci. Je vais m'asseoir. Aidez sur la boîte à cul. Ouais. Tu peux te voir vite fait. Ouais. Le j'ai vu tout à l'heure. Il y a une armée d'armes. Merci Fougeré, merci de ton follow, bienvenue à toi. Je te laisse venir sur notre Discord pour avoir les notifications. Ouais. Ouais, comme. De quoi? Et il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, mais de lui envoyer avant de le poster. J'aimerais bien le poster aujourd'hui, je l'ai envoyé tout à l'heure, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que si je te l'envoie à toi et que tu valides, je peux l'envoyer? Quoi? Quoi? J'ai pas compris. Tout à l'heure, il y a eu un raid BA de Scorpion, je sais pas si t'es au courant. Non. Ok, bah il y a eu un raid. Non, je signe pas, les gars. C'est tout à l'heure, il y a eu un raid BA de Scorpion. Ils ont un D'accord. Raid BA plus de 20. On était 13. Tout le monde s'en est extrêmement bien sorti. On a eu quasiment. Ah oui, j'ai eu écho de ça, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, bah, je voulais faire un communiqué pour redorer un peu l'image de la police et pour aussi un peu répondre à ce que les Scorpions avaient dit, qu'ils revendiquaient l'Est et qu'ils imposaient leurs lois, etc. Et j'en ai parlé. Bah, c'est des rebelles, c'est normal qu'ils font ça. Au général, et il avait dit qu'il était d'accord, mais que j'ai envoyé le texte avant de le faire. Ouais, bah, tu me l'envoies sur mon téléphone. Je voudrais bien le poster aujourd'hui, sauf qu'il m'a pas répondu là tout à l'heure quand je lui ai envoyé. Ouais. Bah, tu me l'envoies sur le téléphone, je lis ça et je te dis oui. Ok, pas de soucis. Ok, et on voit ça avec le général et une fois que c'est fait, tu vas. Même si c'est demain, tu vois ce que je veux dire. On a... Ok, bah ce sera demain, c'est pas grave. Et on en a discuté aussi vite fait, mais du coup, bah, je serai sans doute responsable des coms de. Un peu public, tout ça de la police pour donner aussi un peu une image publique, quoi, parce que c'est ce qui manquerait, je pense. Exactement. Non, non, tu fais bien. C'est clair. Pas de soucis, ça, je m'en charge du coup maintenant. Bon, ben, nickel. Super, cool. Pas de soucis. Ça marche. Bon, allez, à tout à l'heure. À toutes. Bande de Tarlouse. Ah, merci. Et tu meurs.
Voilà, donc merci Foucheret, n'hésitez pas à venir sur Discord pour avoir les notifications de début de mes lives et de la mise en ligne de mes vidéos, et surtout pour nous rejoindre sur Arcis ou d'autres jeux en escouade communautaire. Voilà mon petit loulou, bienvenue à toi dans la communauté. Bon, bah parfait, minuit moins 5. Bon bah voilà, fin du live, 20h minuit à LF. Bonne petite soirée, je suis content de tout le monde, des rebelles, des bandits, des civils, de la police. Je suis content ce soir, ça se passe bien. Voilà, enfin, un jeu qui respire la bonne humeur et le plaisir. Ça j'aime bien. J'aime bien quand ça se prend pas la tête pour de la merde, c'est super bien. Une belle ambiance, des belles actions, c'est magnifique. Chacun respecte son rôle de rebelle, chacun respecte son rôle de braqueur, donc c'est nickel. Merci aux nouveaux followers, merci, alors je vais comme tous les soirs, merci Lazaboom, merci Trunks pour ton resub de 3 mois, ça fait super plaisir, merci Clément d'avoir sub, merci Matt d'avoir resub aussi pour ton deuxième mois, mais ça fougerait d'avoir follow, merci aux donateurs d'hier, merci Zach d'être toujours présent, merci Mortaxi pour ton don de 20€, merci Trunks pour vos dons, merci tout le monde pour vos dons, hein. Franchement merci, vous m'avez comblé de bonheur, de frissons ce soir encore, merci d'avoir fait vibrer le chat, merci d'avoir de faire vivre cette chaîne, je vous donne rendez-vous demain soir 20h minuit, session obligatoire d'ALF, tout à l'heure pour un petit stream PS4 rapide, histoire de voir que ma carte Elgato fonctionne bien, voilà, on va tester ça juste après, il faut juste me laisser le temps. Petit stream demain matin pour la présentation de la config sur Twitch également. Elgato, ça va se passer sur YouTube ce soir, parce que je donne aussi à manger à YouTube. Merci aux nouveaux abonnés YouTube, merci pour votre pouce bleu, merci pour votre sub sur YouTube, ça fait super plaisir. On est à presque 200 abonnés YouTube, ça fait super plaisir, on monte petit à petit. Belle journée, bonne nuit à vous, merci d'être toujours présents, plus nombreux, partagez un maximum sur Fellow TV. Follower pour ceux qui n'ont pas encore osé follower, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur YouTube pour un live spécial PS4 et démonstration du Elgato. À demain 20h minuit ALF et demain dans la journée R6 et Elgato. Voilà, bisous mes loulous, bonne nuit, merci de votre fidélité, ciao ciao, à plus. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfield TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfield TV.